fait. Le truc, fallait absolument que je crève, en fait, au bout d'un moment, pour reset le truc, en fait. Oui, donc le seul jeu qui m'a fait arrêter vraiment, enfin, alors que je l'attendais vraiment beaucoup et qui m'a fait arrêter parce que techniquement, il était raté, c'était Assassin's Creed Unity. Donc, qui était l'Assassin's Creed qui se déroulait à Paris pendant la Révolution française. Ah oui, c'est vrai. C'était l'époque où ils en sortaient un par an, non ? Oui, c'est ça. Oui. Je sais pas, mais en fait, surtout qu'il y avait eu une grosse avancée technique entre celui-là et le précédent, où vraiment ils avaient décidé de densifier les rues de Paris, et donc du coup, avec beaucoup plus de foule. Ce qui fait que j'y jouais sur Xbox One, et genre, franchement, le jeu tournait à 12 FPS, quoi, quand t'arrivais dans les rues de Paris. C'était insupportable et j'ai arrêté le jeu à cause de ça. Ah ouais, ça, c'est chaud. Parce que autant des trucs qui flottouillent dans les airs ou des personnages qui sont en petit pause, mais là, c'était. Je m'en fous un petit peu, tu vois. Pas très grave. Ouais. Sur console, ça devenait vraiment un jouable, mais du coup, c'est même pas une question de bug, c'est une question de jeu qui est mal optimisé. Et les gens qui l'ont joué sur PC se souviennent, parce que j'avais des potes à moi qui jouaient sur PC. Genre, ils sortaient des patchs quasiment quotidiens à base de patchs de 4Go, 6Go par jour pour essayer d'optimiser. C'était infâme. Mais en vrai, je me disais la dernière fois, je me demande si Cyberpunk, ça va pas devenir. Un cas d'école d'un échec total et mais moi je ne trouve pas que ce soit un échec total. Oh, belle et surtout mais c'est merci une question, justement je me demande en vrai, si peut-être que tout est rattrapable. Regarde No Man's Sky, rappelle-toi du lancement de No Man's Sky par exemple. Là, pour le coup, je trouve que c'était encore pire. Apparemment, ouais, c'est. Oui, ah non, mais c'était vraiment. Il y avait est-ce eu que, du mensonge. Est-ce que les ambitions et les stratégies marketing étaient aussi. Ah bah, est-ce que c'était No Man's Sky, ils avaient tenté de vendre leur jeu en disant que c'était du multijoueur, en fait c'était faux, tu vois. Donc c'est quand même. No Man's Sky, ce qui s'était passé, c'était qu'il y avait eu un trailer qui avait été balancé à l'E3. Mais No Man's Sky, c'était pas mainstream dès le début. Ah, il y avait une hype énorme contre ça. L'impact, il était pas. En fait, c'était pas prévu No Man's Sky. C'était pas prévu No Man's Sky. Les casus à Auchan, j'en sais rien, tu vois. Oui, mais c'est ça. En fait, moi, je me souviens que j'avais des gens dans ma famille. Oui, oui, c'est de l'indé. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est de l'indé, etc. Mais il y avait quand même une énorme hype autour de No Man's Sky et le lancement. Moi, je sais que ça avait touché des potes à moi qui n'étaient pas du tout forcément jeux vidéo hardcore et qui avaient vu les images et étaient en mode ça a l'air insane et tout. Donc, oui, ça avait quand même touché un certain. Si, il y avait une hype, vraiment. Oui, si. Après, oui, t'as des jeux comme Star Citizen, effectivement. Le truc, c'est que. En fait, la différence, c'est que No Man's Sky, c'était pas prévu pour que ce soit une aussi grosse hype. C'est-à-dire qu'ils ont sorti un trailer et tout le monde était en mode, en voyant les images, oh, wow. Et en fait, c'est à partir de la hype que ça a créé sur les premières images qu'ils ont essayé de construire un truc. Sauf que c'était pas prévu pour que ce soit aussi gros, quoi. Après c'est compliqué aussi parce que y a toutes les maintenant il y a toutes les consoles, etc. C'est développé un peu sur tout. Parfois les choses sont développées pour PC, mais ça sort aussi sur console et donc faut l'optimiser, donc ça va bugger sur console. Enfin, il y a ces galères là aussi. Hein. Parfois moi je trouve que le multiplateforme aide pas beaucoup, quoi, à vendre des jeux, enfin à les vendre bien, à faire une belle image des jeux, quoi. C'est compliqué, hein. Ouais. De rendre ça stable sur toutes les plateformes. Normalement, en fait, le problème, c'est que t'es obligé de niveler un petit peu le niveau de ton jeu graphiquement par le bas, puisque t'es obligé de penser pour les trucs les moins puissants, donc en général les consoles. Chose qu'elle n'a pas fait Cyberpunk, si je ne m'abuse, qui a réfléchi son optimisation d'abord sur PC. Ce qui fait que du coup, c'était difficilement jouable sur console à la sortie, où c'était pas très agréable, il me semble. Ouais. Quelqu'un dans mon chat qui dit Cyberpunk, personne savait vraiment à quoi s'attendre et personne a eu en main le jeu qu'il voulait, et je suis assez d'accord avec ça, en fait. Mais encore une fois aussi, il y a eu un. Mais après, c'est toute l'industrie qui a un problème. Mais je trouve qu'ils l'ont teasé trop tôt aussi. Oui. Ça, après, oui. Beaucoup trop tôt, et du coup, forcément. Ça n'aide pas, oui. Du coup, ça provoque du crunch, mais le crunch, ça provoque des trucs un peu mal foutus, tu vois, forcément. C'est une catastrophe, le crunch. Excusez-moi. Ouais. Oui. Ça fait 40 minutes que j'essaye de répondre à votre débat et en fait je suis mute et je me dis c'est bizarre, pourtant j'ai l'impression d'être pertinent. Ah, parce que mec, on t'a pas entendu une seule seconde, quoi. Mais je t'ai trouvé très pertinent dans ton silence quand même. mon cher Ryan. En fait, je me dis, mais putain, ils me répondent pas. Et alors, j'ai parlé de Witcher 3, j'ai parlé non, de Witcher 3. Ah non, mec, on t'a pas entendu une seule seconde, mec. Je regarderai la VOD. En vrai, depuis tout à l'heure, j'étais en mode. L'ambiance, quoi. J'étais en mode bizarre l'ambiance. Et là, tout à l'heure, j'ai dit, No Man's Sky, moi, je connais pas du tout, vous connaissez le jeu. Et personne m'a répondu. Oh non, mais Ryan, c'est dit, bon, putain, l'ambiance est ouf en vrai. Oh non, le pauvre. Derrière. Non mais c'est pas... En fait, vu que je parle pas très fort, je me disais, il y a peut-être moyen qu'il ait pas entendu. Mais en fait, non, t'as pas entendu, mec. Y'a rien. T'es vraiment pas fort du coup. Ça a l'air trop bien. Hein. Ouais, c'est ça. Mais mec, ça fait ultra longtemps, effectivement, que t'es mute. Ça fait 30 minutes. C'est ça. Ah ouais, l'angoisse. Ah oui, d'accord. Ah bah tu vois... On a même pas... Oh. Oui, et toi, elle est sur le live, les gens, hein, bien sûr. Non mais je suis discret de base. Parce que c'est vrai, des fois, je parle pas trop. Mais c'est bien, continue à faire semblant qu'on l'avait pas entendu. Mais Rive, en parlant de ça, y a pas un jeu
C'était pas. D'ailleurs, j'ai le pull Immortal Phoenix Rising que t'as pas pu. Au final, tu l'as pas fait parce que PC, c'était injouable. Mais c'était pas le copy paste un peu de Breath of the Wild, un peu bizarre là. Apparemment, c'est un très bon jeu quand même. Putain, comment tu t'appelles ça? Si, c'est ça. Immortal Phoenix Rising. Ouais. Oui, c'est ça. Mais quand j'ai vu les images, j'avais l'impression que c'était Breath of the Wild, mais. En vrai, ils sont pas. Je vois enfin, pas fait, pourquoi donc, ils ont à ce point été comparés. Les images, ils ressemblaient. Bon, si, quand même, moi je trouve que c'est. Quand tu regardes comme ça sans jouer. Quand tu joues pas. Attention, quand tu joues pas, moi je trouve que quand même c'est. Bon, bah, ça fait un peu Breath of the Wild vibes, quoi. Quand tu joues pas. Après jouer, je sais pas. Oui, vibes, oui, bien sûr, mais au même titre que. Enfin, je veux dire. Au même titre que lui, beaucoup moi, plus que d'autres, quoi. Chose qui ressemble, hein. Ouais, moi non plus, hein. J'ai pas trouvé ça si. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, tous les gens qui l'ont fait m'ont dit que vraiment c'était un bon jeu, qu'ils se sont régalés dessus et tout, quoi. Ouais, donc, alors du coup, moi, effectivement, j'ai eu des problèmes dessus parce que mon jeu crachait. Mais c'était absolument pas un problème lié au jeu en lui-même, c'était vraiment mon PC. Donc vraiment. Ah, ok, d'accord. Quel jeu Immortal Phoenix Rising. Ok. Encore un jeu, j'ai pas la ref. Tu sais que No Man's Sky, j'en avais jamais entendu parler. J'avais lu. Ah ouais? Je connaissais pas du tout. C'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure, j'étais en mode, je connais pas. Et l'ambiance était ouf. No Man's Sky, je connais pas du tout. J'ai eu la chance de tester parce qu'ils m'ont proposé une OP dessus il y a 2 semaines. Et en gros, ouais, moi aussi, mec. C'est quand même hallucinant comme délire. Ça donne très envie de chill dessus. En gros, c'est. Ah, c'est bien? Ok. Ah, c'est hallucinant. En gros, c'est... Mais moi, j'aime beaucoup ce jeu, en plus. Je trouve ça très sympa, No Man's Sky. En coop, ça peut être rigolo. J'ai limite du mal à l'expliquer, mais en gros, t'es dans l'espace, et tu as des millions et des millions de planètes. C'est procédural. Ça a été généré de manière procédurale. C'est gigantesque. Et en fait, c'est en mute. C'est Nio qui fait des lives en ce moment sur No Man's Sky, et ces lives, ils sont vachement cool, parce que, en fait, quand il découvre genre une nouvelle espèce animale qu'il trouve assez singulière, il la dessine en live juste après sur un carnet. Oui, de bord. Bon. Après c'est le boss aussi. Trop cool. Excuse-nous Andy Warhol. Le mec est trop fort. Le boss. Et je crois, véritablement le jeu aujourd'hui, je crois qu'il ressemble vraiment à justement la hype qu'il y avait eu au moment de la sortie. Aujourd'hui, le jeu est vraiment très bien. D'après ce que j'ai compris, après moi j'y ai joué 4 heures donc difficile, mais. Mais donc du coup ouais tout est généré de manière procédurale. Donc les planètes, l'univers dans lequel tu évolues, mais pas seulement, la végétation, donc la faune et la flore, tout ce qu'il y a, ça a été généré de manière procédurale. Et dis-toi, même la musique, tous les sons que tu entends, tout ce que tu entends, en fait tout le jeu a été généré de manière procédurale, c'est hallucinant. La sensation de profondeur, gros. Et non mais ça doit être ouf, mais du coup on peut facilement inviter des potes pour jouer ce genre de choses ou... Bah en vrai le multi ça a toujours été un peu le faible du jeu, hélas, je trouve. Je me souviens plus, mais je sais pas comment il est maintenant, mais je me souviens qu'on avait des galères à se retrouver, des trucs comme ça, et... En fait l'univers est tellement vaste. Alors procédural, juste pour expliquer, parce qu'il y a... Pas tout le monde connaît. Procédural, en gros, c'est que tout est généré de manière aléatoire, mais sous certaines contraintes. Mets-moi des champis. Pour pas que ce soit non plus n'importe quoi. Pour vous dire le truc, c'est comme la map Excitebike sur Mario Kart, les boss sont générés de manière procédurale. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Procédural, ça veut dire en gros générer de manière aléatoire, mais sous certaines conditions. Il se passe pas n'importe quoi non plus, quoi. Mais voilà. En fait, ça veut dire que la planète que tu vas trouver, eh bien, il y a que toi qui la découvre parce qu'elle est. Elle est unique. Elle est unique, exactement. Et tu peux mettre ton nom dessus, et puis après, quand tu découvres d'autres planètes, tu peux voir si d'autres gens ont découvert la planète et tout. Mais faut savoir qu'il y avait des stats qui étaient sorties. Allez, comme d'hab. Minecraft, ouais. Je crois que si une planète est trouvée par seconde, il faudrait des millions d'années de jeu. Enfin, il y a un délire comme ça, c'est hallucinant. Vraiment, c'est un truc de fou. Hallucinant. Comment c'est hallucinant. Deuxième, et la différence de points que j'ai avec Étoile est hallucinant. T'es payé combien du coup pour ça? Hallucinant. Ah non, l'OP est terminé, hein. Il n'y a plus rien à dire. Mais d'ailleurs, mais moi je vais continuer à jouer en mode canap chill calé sur ma PlayStation du coup. Ah, très très cool, je pense que ça peut être très cool, ouais, effectivement, en mode chill. Ah oui. Ah, mais c'est vraiment le jeu en mode. C'est le jeu en mode canap, genre vraiment. Ça fait rêver un peu, je trouve. Canap. Et t'es posé dans le club un peu, quoi. Normal. Et tourne vers la droite. Hallucinant. Normal. Sur No Man's Sky, c'est possible de se retrouver tout de suite dans le même système en coop. Ah, c'est possible maintenant de se retrouver dans le même système, d'accord. Oui, c'est pour ça que... maintenant le multi, c'est ce qu'on me dit dans le chat. Est-ce que tu peux dire à Antoine que le multi maintenant est bien mieux, etc. Oui, non, tout a été réglé de ce côté-là. Les gens dans le chat me l'ont dit, effectivement. Maintenant, c'est vraiment, tu te rejoins, t'es là, t'es ensemble dans l'immense monde. Bah, let's go, pompon, quoi. Très bien. C'est ouf, en vrai.
Ah, c'est j'avoue. Ça, c'est ça. Donc il y a 18 trillions de... 185 milliards d'années pour tout découvrir. Attends. Ah ouais. Il y a 18... Moi, je vais prendre 2 ans pour info. Il y a 18 millions de milliards de planètes. Voilà. Allez. Allez. Pas mal, ça. Selon les contraintes qu'ils ont mis, le selon maximum, ce serait ça, ouais. Selon la police et selon les syndicats. Un peu plus. Yes, okay. Yes. Oh, hey, yes, encore un que petit Jésus n'aura pas. Hein. Non, moi, en fait, t'as l'impression que j'ai beaucoup aimé, mais le chat était vraiment... Enfin, c'était trop dur d'avoir mon expérience. En fait, c'était beaucoup plus agréable de jouer solo que de jouer en stream. À quoi ? Dark Souls ? À Dark Souls, ouais. En fait, j'ai joué à Dark Souls. Non, le 3. Ah non, le 3, ouais. Et en fait, tout ce que je faisais, bah... Le chat était même pas en mode backseat, mais ils étaient vraiment en mode ah, c'est pas comme ça que tu devrais jouer à un Souls et tout. Bah donc c'est du backseat. Et bah, donc c'est du backseat. Donc c'est du backseat, du coup. C'est la définition du backseat, hein. Te dire quoi faire et comment faire. Et tu vois, t'avais ce truc là de bah ouais, mais en subonnie et tout, mais je préfère ne pas stream plutôt que mettre en subonnie. Ouais, non. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté le jeu. Ouais, je vois. Mais c'est trop dommage, pourquoi les gens laissent pas... Enfin, c'est comme s'ils avaient été bons au jeu directement, en vrai, je peux comprendre. En fait. Non, mais il faut imaginer... Non, mais il faut imaginer... Leur propre expérience, oui, mais il faut imaginer quelqu'un qui découvre Twitch, il arrive sur Twitch, il voit... Twitch, oui, ça, je comprends. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, mais du coup, des gens qui découvrent Twitch... Ah mais ouais, mais il y en a beaucoup. Oui, non, bien sûr, mais... C'est con. Non, mais en fait, ils le font pas par malveillance. Bah oui, c'est ça. En fait, au cumul, ça peut être lourd, tu vois. Ah bah, le cumul est lourd, oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un truc qu'il faut plus expliquer que condamner, tu vois, parce que en vrai. Quand tu viens d'arriver sur Twitch, tu vois quelqu'un jouer à un jeu que t'adores, t'es en mode oh, ouais, ouais. Attends, mais quand tu fais ça, juste je te conseille de faire ça, tu vas voir. Et en fait, la personne est juste bah étoile, gentille sur le moment, tu vois. Ah zut. Mais... Non, l'intention n'est pas malveillante, mais quand tu viens d'expliquer que je non, comprends. Tu ne veux pas d'aide et que en fait, tu veux découvrir des trucs quand... par toi-même et tout, ouais, et que ça. Les gens continuent, tu te dis bah écoute. Mais après, je comprends les gens qui arrivent, mais c'est vrai que c'est trop dur. Des fois, tu sais, quand t'es en train d'expliquer, bon, on va éviter le backseat et tout ça, machin, et que seconde 2 après l'explication, t'as un mec qui dit fais ça, parce que tu sais que le mec vient d'arriver. Ah, non, mais je vous dis ça, mais c'est pareil, le backseat, c'est un truc. T'as écrit aide interdit en énorme sur ta scène et qu'on te fait. Et là, tu vois, c'était vraiment des messages en mode. Non mais je trouve ça fou quand même qu'il joue comme ça dans un Souls et trucs. Bah écoute, c'est pas comme ça. Mais là ça fait très élitiste là, c'est même oui, autre c'est chose pas comme si oui, backseat oui, en vrai, faire, hein, quoi. C'est... Dommage. Dommage. Allez, let's go. Mais tu vois, c'est toujours ce même truc. Il reste que... combien de courses là ? Bah si tu lis pas le chat, autant faire une vidéo YouTube quoi. 23. Oui c'est ça exactement. Non, on est... non, il en reste... Je pense qu'il en reste encore 5 ou 6, un truc comme ça. Ok. En fait c'est... Moi je pense que c'est tu un... Tu veux faire ton taboulé Ultia ? Oui, ah mais oui, j'avoue. Faut que je fasse mon taboulé, ouais. Ah, le taboulé. Mais je trouve que. Allez, oui, le pire, trompe, c'est les jeux à choix, genre Life is Strange. Mais pour ça, par exemple, je conseillerais des jeux comme Undertale à des gens, mais ne jamais le faire en stream, par exemple. C'est des jeux à choix aussi. Bah, tu vois, j'avais fait Detroit Become Human il y a quelques temps. Et bah, j'avais trouvé ça très agréable de le faire en stream. Qui est aussi un jeu à choix. Ouais. Mais je sais pas, les gens avaient été assez respectueux. Ah, oui, bien sûr. Et en fait, je les avais amenés sur des trucs. Où ils étaient jamais allés. Du coup, je me suis retrouvé dans des endroits que personne n'avait fait quasiment dans le chat. Et tout le monde était en mode oh what the fuck, what. Et je suis d'accord avec quelqu'un qui dit ça. Dans le... Excuse-moi, Rive, je te. Il en reste 8 en même temps. J'avais fini. Je je vais pas retenir le message sinon. Par rapport à ce que tu disais sur Dark Souls 3, les gens qui te parlaient comme ça sur Dark Souls 3 étoile, quelqu'un dit c'est insupportable. Ces gens-là, ils font fuir des gens qui pourraient venir dans leur communauté de jeu en fait. Et ouais, je suis assez d'accord après, avec ça. Ouais, c'est vrai que ça c'est frustrant, mais t'as ce truc là aussi. De personnes qui sont tellement contents ou genre tellement fiers de leur ouais, mais jeu. Du coup, ils jouent plus, du coup. Oui, voilà. c'est ça le résultat. C'est hyper, paradoxal parce que, du coup, d'un côté, ils sont hyper contents, mais d'un autre, ils ont besoin de le dire qu'ils connaissent bien. Ah ouais. Et tu vois, genre, typiquement, rien que des messages où tu t'approches d'un truc et t'as un mec qui fait oh, il va le voir. Et t'es en mode vu, MDR, il l'a pas vu. Parce que, en fait, c'est très marrant quand même. Il faut réagir au bout d'un moment, t'as le droit de mettre un message sur le chat, tu vois. Mais souvent, quand t'as des trucs où tu sais très bien que la personne va avoir cette réaction spontanée en live, c'est cool d'attendre. Et après, tu dis oh putain, le bouffon, il l'avait pas eu. Ça, c'est marrant. Mais souvent, les gens, tu sais, ils te coupent l'herbe sous le pied et c'est trop frustrant. Mais tu vois, genre Breath of the Wild, avec une modération au taquet, bah j'ai adoré, j'ai fait 40 heures de stream. Après, dessus, le scénario tient sur un ticket de métro, mec. Oui, oui, le scénario, il n'y a pas trop de spoil. Hein. Oui, mais les énigmes. Oui, les énigmes, bien sûr. Il veut dire les énigmes, c'est vrai.
il y a des énigmes à chaque sanctuaire et pourtant je me suis jamais fait spoil une énigme. Et puis il y a des techniques pour combattre les boss, enfin. Oui, c'est vrai, surtout, oui, en fait. Ce qui est incroyable avec Breath of the Wild, c'est qu'il est très permissif et t'as plusieurs façons de réussir quelque chose. Ouais, ça c'est incroyable. Ah, mais moi, il y a plein de fois où je faisais péter un plan aux gens qui étaient en mode, mais qu'est-ce qui branle là. Ah, mais mec, mec. Je regardais MV résoudre une énigme, je me suis dit, mais qu'est-ce qui branle. Il posait de la viande, je me souviens des venaisons. Si vous saviez. Bah oui, toi, ponce. J'ai passé des. C'était abusé. Même moi, ça m'agaçait. Genre, j'ai passé des 5 heures à sortir un cas. Un peu ouf. Oh non! Mais parce qu'en fait, des fois, non, plus on me dit qu'il faut pas faire comme ça, plus j'ai envie de réussir de le faire comme ça. Ouais, et sur Breath of the Wild, et bah, t'es récompensé par ça. Du coup, bah, tu le fais, tu vois. Et ça marche. Moi, le truc que j'adore faire, Ponce, c'est quand les gens me trigger, je fais un bomb trick et je vais devant la fin du sanctuaire. Oui, j'ai vu le clip. Après ça, c'est parce que t'es aussi l'un des meilleurs joueurs du monde ever de jeux vidéo, donc c'est très différent. Ah mais non, mais mec, attends, c'est pas pareil. Mais excuse-moi, bro Antoine, joyeux anniversaire, gros. 16 minutes encore. Non mais on est d'accord que le bomb trick, c'est incroyablement satisfaisant, c'est abusé. C'est très satisfaisant. Non mec, c'est tellement satisfaisant, je m'attends, ouais. Tu sais que vraiment, je trouve c'est ça pas plus genre, satisfaisant ça que plein d'autres mécaniques de Smash et tout quoi. Ça casse les couilles, j'étais troisième chocolat bleu, mais ça fait chier mes jeux de merde. C'est pour son anniv, un petit boomerang dans le cul, c'est normal. Il y a eu un petit accent qui est venu là. Moi j'ai l'impression que c'est souvent sur des jeux auxquels je ne m'attends pas à me faire beaucoup backciter que je me fais beaucoup backciter. À l'inverse que les jeux où je me dis oh ça va être chiant et tout, je me fais giga backciter. Et en fait ça va. Mec, l'empire du backseat pour moi, c'est vraiment jouer ça. Ouais, mais ça par contre c'est. Ah, maintenant le chat est discipliné chez moi. Oui, voilà, mais en vrai, les gens savent, je l'ai tellement streamé que maintenant c'est bon, tout le monde sait comment ça fonctionne et qu'il faut pas. Puis après, t'es réputé comme un bon joueur aussi, tu vois, il y a ça aussi. C'est vrai que tu trouves souvent avant eux aussi, il y a de ça, genre. Ouais, je suis exceptionnel, tu vois. Tu pensais à quoi, JD, quand tu disais qu'il y a des jeux où tu t'attendais pas à te faire backseat et en fait. Des fois, ça m'arrive sur des niveaux de Mario Maker 2, par exemple, je teste des niveaux et on me balance, enfin, qui sont un peu en mode énigme. Okay. Et on te balance tout. Il y a aussi, bah après ça c'est un peu plus logique, mais Paper Mario The Origami King, j'ai trouvé que des fois c'était un peu chiant. Pas forcément des gens qui ont déjà fait le jeu, mais des gens qui disent ah bah tu devrais faire comme ça. Et quand tu leur dis j'aimerais bien, y réfléchir par moi-même, ils disent ah bah ça sert à quoi alors de le streamer. T'es là oui. Mais ouais mais toi. Oui, non mais c'est pas ça. Joue au jeu toi-même en fait. Tu stream pas parce que j'ai besoin de vos conseils. Si t'as besoin de conseils en vrai tu demandes en vrai. Si tu te sens un peu ouais, perdu, moi c'est ce que j'essaie de dire quand je peux. C'est franchement si je vous demande, vous pouvez me dire. Mais voilà, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire. Bah là, vous pouvez m'expliquer un petit peu le truc parce que voilà quoi. Mais il y a un truc. Les échecs en live, mec. Oh là, les problèmes. Attends. Non mais un moment dans It Takes Two, il y a un mini jeu. C'est pas du tout le spoil. Il y a un mini jeu et c'est un jeu d'échecs. Oui. Et à un moment avec Fred, on est nul à chier aux échecs lui et moi, tu vois. Mais le chat est devenu mais instantanément horrible en fait. Alors que c'est vraiment un mini jeu à la con. Et c'est même pas une vraie partie d'échecs quoi. Tu vas clouer la reine là-bas. Les gens étaient en mode ah ouais, on voit que vous avez pas beaucoup joué quoi. Mais putain, mais oui, bien sûr, connard. Attends. Alors moi les échecs, c'est la première. Enfin c'est pour moi la seule fois où je m'en souviens où j'ai racheté mon live. Moi, je me fais backseat mes live cuisine, mais d'une puissance. C'est pour ça que quand JD a dit je m'attendais pas à me faire backseat sur ça, genre je dis grave. Parce qu'en vrai, les live cuisine, je ne m'attendais pas à me faire backseat. Et en fait, je me fais backseat, mais d'une manière condescendante. Et vraiment, c'est du jugement. Et moi, je suis en mode, mais allez vous faire foutre. Parce que, genre, par exemple. Si peu que j'utilise de la coriandre. J'utilise de la sauce tomate de la marque Muti, c'est une marque italienne que j'aime bien. Voilà, ça a du goût et comme ça, c'est vous qui assaisonnez votre sauce tomate, ok? Et là, ils me disent ah bah moi, je fais ma sauce tomate moi-même. Ah bah on est très contents, Léonore, génial. Alors moi, je dis bah ouais, mais on est au mois de mars, les tomates elles sont dégueulasses, la sauce ça va être de la flotte. Ah, ah bah moi je fais des bocaux l'été et comme ça l'hiver j'ai toujours de la sauce tomate. La voix du tien, tu peux refaire Éléonore s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en conjure. Éléonore par exemple qui dit genre pourquoi tu mets pas plus de sel, je comprends pas, ça va être dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai dit?
Bon, t'inquiète, non, c'est pas grave. Non, mais tranquille, Ultia, c'est bien, c'est bien. En faisant Eleonore. C'est bien, Ultia. Non, en fait, en faisant Eleonore, t'as fait une voix rigolote c'est et bien. Du coup, vous voulez que je refasse cette voix parce qu'on trouve. J'ai l'impression qu'elle comprend pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lui parle, Ultia, elle me fait. De quoi? De quoi? Je suis désolée, j'ai même pas capté que je lui avais fait une voix. Putain, dans 12 minutes, j'ai 33 ans, les gens, quoi. Les mecs, ils comprennent pas comment ça marche, comprends pas. Ou genre, en fait, par exemple, le premier live cuisine que j'ai fait, j'avais fait mes ongles, j'avais fait une manucure, ouais. Et du coup, j'avais des faux ongles, donc j'avais les ongles longs. Et le nombre de fois dans le chat où on m'a dit « Mais tu arrives avec tes ongles ?» Non, j'y arrive pas du tout, c'est la merde, c'est une catastrophe, je ne peux rien faire. Enfin, même après, sûr que si j'y arrive... Après, il peut gêné, quoi, mais j'avoue. Hein bien sûr. Peut-être qu'il s'inquiète de la précision. Mais non, mais pas du tout. Mais voilà, du coup, on te backseat sur ta manière de faire tout le temps. En fait, le truc, c'est que pour le coup, la cuisine, c'est un truc qui est... Ça touche beaucoup de gens, quoi. De faire à manger, c'est vrai que... Ah bah oui, c'est sûr. On peut parler perso, mais après... Moi, le jour où je vais oser faire ma ratatouille en live... Et en fait, le truc, c'est que dans la cuisine, t'as un milliard de tricks différents, de, ouais. des petits conseils, des « Ah, tu devrais, pour couper, range plutôt tes doigts comme ça, et tout. » Et du coup, les gens ont envie de le dire, quoi. Il y a un message dans le chat que j'ai pas du tout aimé, c'était plus proche de tes 60 ans que de ta naissance. Ok, allez, let's go, bro. Ah, c'est bon. Et ouais. J'ai même pas entendu. Let's go, bro. Mais après, dis-toi que de toute façon, tes 5 premières années, t'as quasiment aucun souvenir, donc en vrai, ça compte pas. Ouais, j'avoue, bro. En fait, t'as 27 ans. T'es vraiment un vrai maisonneux pour moi, Rivenzi. T'inquiète, bro, t'inquiète. Non, en plus, la sauce tomate mitzi, c'est trop bien, quoi. Mais non, mais enfin, vraiment, le truc des bocaux l'été, genre, ça me détruit. Non, mais JPP. Mais j'ai pas de place pour stocker. Bah oui, mais en fait, moi, j'ai acheté une grande maison prévue pour ça. Oh, je passe un très bon moment. Pardon. Mais c'est vraiment la réponse derrière des bocaux, elle me termine parce que ça m'en est bien sûr. J'ai prévu de faire une sauce tomate en décembre, mais donc par j'ai fait mes bocaux en juillet. Par exemple, moi j'ai basé sur toute la question d'organisation. C'est rare quand même. J'ai basé le concept de mes live cuisine sur le côté pratique, facile et rapide. Et genre, c'est la le slogan. Recette... Mais c'est pas bon par contre. Mais c'est dégueulasse. Hein, mais c'est et pratique. Genre, la première recette, j'ai fait des recettes de briques. Mais je vous en avais déjà fait en plus. Oh, ouais, très bonne. C'est trop bon. Oui, exact. On les connaît. Et du coup, je dis, bah, en vrai, franchement, si vraiment vous n'avez pas le temps, que vous devez cuisiner rapidement, que vous avez beaucoup de cuisine à faire, vous n'êtes pas obligé de faire votre purée maison. Vous pouvez utiliser de la purée surgelée chez Picard ou de la purée mousseline améliorée avec genre du lait, de la crème, des œufs. Je donne des alternatives et là, on me dit, puis genre, on va me juger, on va dire, mais non, mais il faut faire vraiment la purée maison et tout. Ces gens qui te découragent de cuisiner, de faire le moindre truc, parce que t'as l'impression que faire du bocuse en fait. Tout le monde n'a pas le temps de faire sa putain de purée maison, quoi. Bah oui, de ouf. Je fréquente tellement de gens qui font pas du tout à manger et quand tu leur expliques un truc qui te paraît tout simple, ils te regardent avec des grands yeux en mode je ne comprends rien à ce que tu dis, donc j'imagine même pas si tu leur dis de faire leur purée maison, mais là ils vont dire va te faire foutre. Mais ouais, non mais de ouf. Alors moi ça serait... Comment devrait être sur la fin. Mais de ouf. Mais moi du coup les gens qui te disent ce genre de truc seraient scandalisés si je faisais un live cuisine genre vous prenez le burger et vous le mettez dans le micro-ondes et voilà. Non parce que du coup tu te prends pas au sérieux. Tu vois par exemple genre Domingo et Ponce ils ont fait un live cuisine ensemble et genre c'était hyper amateur et tout et ils se sont pas fait backseat comme moi je me le fais parce que la cuisine était très accessoire en fait, c'est une discussion surtout aussi. Oui, toi c'est tourné autour de la cuisine. Autour du oui voilà, c'est ça. Exactement. Et puis nos lasagnes étaient monstrueuses quoi, donc monstrueuses dans quel sens? C'était monstrueuse. Monstrueuse. Ouais. Non, mais nos jokes, elles étaient monstrueuses. Grâce à ma bécha. En vrai, franchement, ça me fait de la peine quand tu me dis ça. Quoi? Pourquoi? Ça a aucun rapport avec toi. C'est vrai qu'elles étaient putain de bonnes, ces briques. J'ai repensé. Ah, les briques, étaient très bonnes. Mais je crois que j'en ai tellement mangé. Parce que vous avez que goûté les briques Boursin-Thon? Ouais, moi, non, j'avais pas goûté. Je les avais toutes faites. J'avais fait les trois recettes. Ah ouais, t'avais fait aussi avec la. Pour là, qu'est-ce que. Avec la. Le fromage là et tout. Non, je crois que c'était Boursin-Thon. Ouais, mais ah, j'avais pas fait les trois. Non, t'as refait plus tard. Ah, j'avais fait un tagine à côté. Ouais. En fait, dis-toi que j'avais tellement mangé de briques Boursin-Thon que j'avais pas mangé le lendemain. Oh, mais c'était mais vraiment quoi, exceptionnel en fait. Ah, mais c'est ce qu'on avait mangé. Mais t'étais là, Antoine. Antoine, oui, t'étais là aussi. C'était très bon, c'était délicieux. C'était délicieux. Antoine, tu es avec nous, Antoine. Tu nous entends, Antoine. Excusez-moi, Antoine. Tu nous entends, Antoine. C'est la vieillesse, hein, j'ai 32 ans. Hein. Il est avec nous, papy. Tiens, ces briques. Elles étaient super bonnes. Il s'en rappelle pas du tout. Il me...
Vraiment, c'était des briques, quoi. C'était énorme, quoi. C'était des briques énormes. Ah oui. Mais putain, c'est quoi les briques? Attends, il y a quelqu'un dans mon chat qui dit, mais putain, c'est quoi les briques? Please, expliquez-moi, parce que là, je vois Étoile en train de manger des briques. Je suis très perturbé. Les briques, vous savez pas ce que c'est, les briques? En cuisine? Juste, on a été rejoint par Shiki Tsune. Ah oui, d'accord. Ok, oui, je vous demandais, c'est qui la personne? Le saint. C'est trop bon, les briques. En fait, c'est de la feuille, de la feuille de brique en plus. Bah oui, il faut taper parce que ça s'appelle de la feuille de brique. Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais. Des briques. La recette, je peux vous la donner si vous voulez. Hein. J'ai fait une vidéo YouTube dessus si vous voulez. Des feuilles, des briques. C'est l'instant promo. C'est tellement bon, sérieux. Des briques. B-R-I-K. Des briques. S. Parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est vraiment très bon, les briques. Et Ultia les fait particulièrement bien, c'est vrai. Elle a trois recettes bien spéciales. Ouais, j'avoue. On reste débrouille bien, bon c'est pas au niveau de ma ratatouille mais c'est quand même pas mal. C'est pas des samosas. C'est quoi le repas, vous êtes vraiment chaud. Ah non, on a déjà parlé la dernière fois. C'est quoi juste la provenance, la manière de plier. D'accord, mais sinon c'est les mêmes ingrédients, etc. Ça dépend, les recettes de toute façon, les briques c'est toi qui fais. Hein. Enfin oui, mais oui, samosa briques pour toi c'est pareil. Moi je dis briques parce que j'ai appris ça de Tunisie, mais sinon je crois que c'est plus la Réunion. Oh là là, mais c'est pas en vrai. Inde aussi, ils disent samosa. C'est un cauchemar. Moi je dis brique aussi. Alors que je suis breton. Non, t'es tunisien. Ça, je suis tunisien, c'est vrai. Non, mais je peux pas la montrer. Hein. Voilà. Montrer quoi? De quoi ta brique? Quand est-ce que tu vas chez Domingo faire une bonne ratatouille? Petite ratate? Non mais Joël Robuchon a jamais montré la recette de sa purée, quoi. Il l'a montré plein de fois, mec. Ouais, c'est vrai. On la connaît, gros. Putain, allez, prends-toi Tunisie ta bleue. Tunisie et Alonso. Tunisie et Alonso. Ouais, ouais, ça y est. Il a pris son combo et tout, genre il est là, il est pas là pour rire. Pardon, je dois paraître méprisant, mais c'est qui? De quoi? C'est quelqu'un avec qui j'étais au CP. C'est le créateur d'Oroquin, mec. C'est le recréateur de requins. Ah, mais c'est d'accord, c'est pour de vrai? Oui, vraiment. Oui, c'est pour de vrai, bien sûr. Ah, ok. Il y a aucune vanne, en fait. Ah, mais il y a aucune vanne, mec. D'accord. Zéro vanne. Ah oui, non, c'est pas de vrai. On rigole, mais personne rigole. Oui. Et vous vous êtes ajouté sur Switch au CP? Ouais. C'est chelou, quand même, parce que je crois que la Switch, elle existait pas, vu que je suis très jeune. Oh, mais il le savait. Pourquoi tu dis que t'es très jeune alors que tu viens d'avoir 32 ans? T'es ultra vieux, mec. Mec, j'ai 32 ans. Aïe. Le mec est un grand-père, en fait, tout simplement. Je suis littéralement vieux, quoi. Je suis littéralement mourant, en fait. C'est drôle. Littéralement mourant, quoi. Je suis mourant, mon frère. Au requin, le sang. On l'est tous le mec peu, est prioritaire pour être vacciné. Au requin, quoi. Okay, c'était fou. Mais il a fait premier, en plus, Shiki Tsune. Il arrive, il nous pourrit la room. J'étais avec lui au coude à coude jusqu'au bout. Et puis, good, good. Au good à good. Au good à good. Belle ambiance, super. C'est fou parce que je visualise Rivendi qui se lève. Mais moi aussi. Ah oui, bien sûr, je le vois. C'est comme s'il était là, quoi. Et je suis ah là, mais c'est je génial là. Ici. Waouh. Rivendi après cette bonne. Ah, c'est la fin du spectacle, mais on a fait quelques-unes de belles après. Mais... Un petit autre peut-être aussi. Hein? Un petit autre? Non, en vrai, je me souviens pas des autres. On devait pas être si dingue que ça, du coup. Non, vraiment, pour moi, le poisson rouge, c'était le... Le climax du spectacle. C'était le climax. Ah bah, en tout cas, tu t'en souviens des années plus tard. Oui, et vous avez vu comment je la raconte bien après, en plus? Tu l'as fait vachement bien. Ah, tu la racontes très très bien, ouais. Merci. En fait, Coupa Police tombera jamais, en fait, hein. C'est bien simple. Hein. Jamais. Mais dites de voter, parce que depuis tout à l'heure, ça tombe sur des trucs que je vote souvent. SVP, Coupa Police. Vous me le dites. Dites-le, parlez. Il n'y a aucun souci. Hein. Coupa Police, s'il vous plaît. Eh, faut parler, les jeunes. N'hésitez pas, faut sortir chez vous. Hein. J'avoue, les geeks, là. Les geeks. Ah, j'ai tellement envie de jouer. Waouh, mais mec, c'est génial, c'est ce ici. Ben ouais. Oh, mais Bou, il est trop heureux, en fait, j'avais pas vu. Dans sa vie, tu veux dire? Il a un smile permanent. Heureux d'être mort. Roi Bou. Il est... Tu sais que je pense que tu vas beaucoup aimer Trials. Je pense aussi. Là, avec Rivenzi, on a trouvé... Ah, vous avez joué? On a trouvé ça incroyable. Ah, bien. Trouvé. Vous avez joué quand? Quel... Hein? Bah, celui-là, là. Ah, ouais, quand on a joué à Trials? Bah, en octobre, tu sais, pour le truc Samsung. Ah, mais non, c'est pas le même jeu.
Ah si, c'est ça. Mais on a joué sur téléphone, c'est pas pareil. Bah, sur Xbox, c'est pareil, mec. C'est le même jeu. On a joué avec une manette. Non, mais c'était pour un truc Samsung. On avait une manette, non? Ouais, mais c'était sur des petits écrans et tout. Mais c'était pas sur tactile, quoi. Mais c'était pas fou parce que c'était sur des petits écrans et tout. Donc, le jeu est tellement... Enfin, je trouve que c'est un jeu où quand tu joues, t'as tout le temps l'impression de pouvoir être meilleur. C'est incroyable. Tu joues une fois, tu te dis... 20 minutes après, tu te dis putain, je suis plus fort qu'il y a 20 minutes. C'est incroyable. C'est le step-up sur ce jeu, il est en continu. C'est une dinguerie. C'est impressionnant. Je pense que c'est un jeu qui doit être super agréable à regarder speedrun, à être, quand il est speedrunné, je pense. Voir un bon joueur jouer, c'est de l'ASMR visuel. C'est le truc, c'est que j'y ai pas encore assez joué pour vraiment comprendre, mais tu sais, c'est un jeu. Juste pour comprendre le speedrun, je serais prêt à y jouer juste une heure, tu vois, pour comprendre toute la difficulté. Ah, clairement. Enfin, une partie de la difficulté. Ouais, c'est exactement ça, tu profites vachement plus du speedrun quand t'as pris le jeu en main. Et un que tout tu petit vois peu, juste une heure, tu vois, juste une heure. Enfin, vraiment, c'est. Il parle de Trials Rising. Bah, de jeu en général, en vrai, pour les speedruns, je trouve que quand tu l'as pris en main, c'est toujours plus agréable. Plus qu'une minute pour l'anniversaire d'Antoine, est-ce qu'on chanterait pas une dernière fois simplement? Allez, tout à fait. Joyeux anniversaire! 32. Joyeux anniversaire! C'est très très lent des 32 ans! Joyeux. On n'est pas obligé. Anniversaire! Le sang! Joyeux anniversaire. Merci les amis pour cette chanson. J'ai eu l'impression d'entendre la voix des anges. La télé-réalité sur Énergie 12. Oh là là là, là incroyable, c'était magnifique, c'était... Je suis DJ. C'est hyper minimal, mec, ce que tu fais, je trouve ça génial. Je vous fais un blind test, attends, je vous fais un blind test, vous pouvez trouver. Vas-y. C'est trop facile. The Final Countdown. Johnny Hallyday, Johnny Hallyday. Europe, The Final Countdown. Ah non, mais je pensais que vous... Attendez, je vous okay, en fais attends, un. Ok, attends, je vous en fais un. Johnny Hallyday, allumez le. Ok, je vous en fais un, écoutez. Vas-y. Je l'ai pas. Attends. Ok, refais. Je recommence depuis le début, vas-y. C'est à chier, hein. Quelqu'un va mourir. Attends, vas-y. C'est insupportable le bruit. Rien qu'avec ça, vous pourriez trouver. Mon chat a beaucoup trouvé, hein. Est-ce que c'est pas Zelda? Non. Refais. Mais non, mais la course commence. Vas-y, refais Antoine, refais. Bon, voilà. Ah, c'est pas simple quand même, hein. Franchement, c'était Queen, We Will Rock You, quoi. Oh putain. Ah ah, alors moi, je peux vous le faire aussi si vous voulez. Ok. Bah, alors moi, tricher, qu'est-ce que je fais. Vous êtes prêts pour de mon côté ou pas? Vas-y. Ouais. Ok. Maréchal. Oh non, oula. Allez, je fais battre ce mec. Oula, les problèmes. Mais je comprends pourquoi t'allais voir Kev, toi, c'est le roi de l'humour. Ok, Riff. Non, mais ça va. Riff Cancelled. C'est génial ici. Waouh, mais c'est génial ici. Ponce, t'es prêt? C'est maintenant. Je l'ai vu. Oh, t'es trop fort. Oh, non, mais par contre, tout à l'heure, tu sais, on parlait du backseat. Mais un truc positif dans le chat, c'est typiquement moi la commu Trials dans mon chat. J'ai jamais vu un backseat aussi positif de toute ma vie, genre. Parce que vraiment, les gens étaient tellement. Cool, ça fait plaisir de voir des petites communes, tu sais, de jeux hyper élitistes, mais qui sont hyper disponibles pour les conseils et qui même sont pas chiants, tu vois. Du coup, il y a plein de joueurs trial en ce moment qui sont genre sur des streams de streamers justement pour leur donner masse de conseils. Et là, en vrai, c'était une dinguerie parce que quand j'allais sur les top mondiaux des courses, tu vois, il y a 300 000 joueurs. Tu regardes les 10 premiers, il y en avait genre 5 sur mon chat. Et t'es en mode, yo les gars. Ah oui. Forcément. En vrai, ils sont hyper heureux de voir des gens sur leur jeu et les conseils. Par contre, les conseils qu'ils ont, bon, tu sens que c'est pas Joel Clodo, quoi.
Genre, tu donnes un conseil, tu gagnes 5 secondes sur ta run. Ah ouais, à ce point-là, ouais, c'est fou. Ouais, c'est vraiment abusé. Parce qu'en fait, vu qu'ils comprennent très très bien le jeu, et qu'en plus, sur le jeu, t'as les inputs qui sont affichés. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça sur le stream de PA l'autre jour et j'étais en mode non, mais c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais, ça pour les conseils, c'est abusé parce que du coup, le mec va te dire bah en fait, mets ton joystick à gauche, pourquoi tu le mets pas à gauche? Et c'est gagné. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, je regardais PA et je comprenais pourquoi il avait du mal parce qu'il faisait des erreurs que moi je pouvais faire et je voyais ce qu'il faisait comme en erreur sur le son de joystick. J'étais en mode typique erreur que je pourrais faire. Et donc, j'avoue, c'est trop bien pour en streaming d'avoir les inputs sur les jeux. Ah, c'est trop stylé. Oui, c'est trop, pour trop le coaching, stylé. Input, c'est les touches. Ouais, ouais. Les inputs, c'est les touches. Tout à fait, on voit les joysticks et les touches s'enfoncer, donc c'est vraiment super agréable. Ouais. Oh, ma vie est trop nulle. Bah justement, le mec qui me coach, moi, c'est le gars qui a fait la run speed don. Ah ouais, ok, pardon, je suis le mec. Et très très chaud. Ouais. Hein. Et ouais, il est turbo chaud. Et il explique très très bien, ce qui est pas souvent... Enfin, c'est pas... On parle de trial racing. Tu peux être un très bon joueur de ton jeu et... Ouais. Pas être corrélé, quoi. Il y a un jeu aussi où la commu est assez insane, c'est Final Fantasy XIV. Ah, je connais pas du tout. La commu est insane. Je te confirme, effectivement, et je dis pas ça parce que c'est un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Mais par contre, je l'ai jamais live, je refuse de live et tout parce que c'est vraiment mon jeu doudou, comme je dis. C'est ton petit chez toi. Mais par contre, effectivement, sur le jeu, j'ai rarement vu une communauté aussi cool. Ouais, je suis d'accord. Sympathique, aussi accueillante, aussi. On m'a fait des montures comme ça. Ah ouais, sympa. Parce que je suis passée, ouais, ils sont vraiment gentils, les gens en général, ouais. Une fois, je suis morte contre un mob à la con, quelqu'un qui m'a raise. Je lui dis thanks, il m'a dit thank you, have a good day, et puis s'en va. Enfin, c'est que des trucs comme ça, en fait, Final Fantasy. Et les gens sont pas du tout méprisants, ils sont pas du tout désagréables avec les gens qui débutent. Oh, c'est cool. Moi, je suis allé l'autre jour sur FF14. Je jouais pour la première fois à Holdfast, donc il y a un jeu où en gros vous incarnez c'est un jeu de guerre où chacun incarne un soldat à l'époque Premier Empire, en gros. Et donc c'est de niche quand même. Ouais, c'est plutôt de niche, ah oui. mais c'est très rigolo. Il y a eu des streams, je crois que Squeezie a fait un stream dessus, Alpha aussi. D'accord. J'avais fait un stream dessus. Ouais. Et en fait, t'avais pas aimé Holdfast, c'est. On va dire que j'ai fait un peu de bruit ce soir-là, quoi. Ah, ok, ok. C'est ouais, ça, Holdfast, c'est le truc où vous faisiez des cool. trompettes, là, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Marcel Pichard et son orchestre. Et en fait, on était donc avec. Peut-être que t'as dû les rencontrer, du coup, les grognards de l'Empereur ou de l'Empire, qui est la grosse guilde française sur Holdfast. Ouais, mais hélas, je voudrais dire que, bon, j'étais pas trop dans le mood pour jouer sérieusement. Ah merde, ouais, ok. C'est pas très bien. Mais en fait, juste pour dire qu'ils étaient très sympas dans le sens où, tu vois, genre, moi, je voulais tester juste comment ça fait de commander des troupes, parce que vu que c'est un peu simu, tu vois, du coup, bah, genre, il me disait, Rive, tu veux commander les 20 mecs, là? Je suis en mode, bah, let's go. Et alors, je connaissais pas le jeu, tu vois, c'était ma première fois. Les mecs, c'est des joueurs, juste? Les 20 mecs? Ouais, c'est des joueurs. Ouais, les 20 mecs, c'est des joueurs, ouais, c'est que des joueurs. Et donc, du coup, bah, ils acceptaient que moi, la grosse merde, bah, je les fasse... la grosse merde, avec toi. Ah non, mais c'est-à-dire que le mec, il y a 3 heures, et bah, t'as des gars qui avaient 500 heures, qui étaient en mode, vas-y, dis-nous quoi faire. Je suis en mode, ok, bah, allons-y, faisons ça. Et t'avais 20, mais peut-être 40 mecs, quoi, tu vois, c'était vraiment trop stylé. En même temps, ça doit être rafraîchissant d'avoir un joueur comme ça qui est nouveau aussi et qui. Ah ouais, qui leur dit d'aller mourir au feu tout de suite, ouais. Très drôle, quoi. C'est ça, ouais. De quoi? La même chose avec la commu Smash. Qui leur dit d'aller mourir tout de suite, quoi, c'est ça. Elle est incroyable, la commu Smash, elle est hyper bienveillante. C'est vrai qu'elle est stylée, la commu Smash. Mais mec, c'est abusé, hein. Franchement, quand t'as un mec qui est chiant dans un chat par rapport à un level ou un peu condescendant, c'est jamais un mec fort. Ça arrive vraiment jamais. La commu insane aussi, c'est celle de Rocket League, elle est vraiment monstrueuse, je trouve. Ouais, ils s'entraident, ils s'écoutent, c'est toujours très agréable. Tu sais, ils sont pas du tout chiants, ils te disent pas 900 fois la même phrase de « Ah bah j'ai pas des diamants comme ça dans ma vie !» Très. Puis même, il y a beaucoup de fair play en général chez les adversaires. Moi, je me suis fait souvent insulter en vrai sur Rocket League, donc j'aurais pas dit ça, tu vois. Ah ouais ? Bah ouais. Je le déteste. Oh non ! Non, pas ici ! Je le déteste, sérieux. Ah non, fallait tomber, Antoine. On a pas eu la même XP, quoi. Enfin, pourtant, on joue ensemble, mais bon, très bien. Tu trouves pas? Ouais, Dégage, Mister JD, putain. Ta dernière vidéo, c'est plus ton anniversaire. Ma dernière vidéo, c'est de la merde, ok, je crois dire. On rappelle que Mister JD a posté une vidéo aujourd'hui. Mais non. Si, 24 heures, j'ai regardé BFM, c'est ça ou pas? Ouais, 24 heures, c'est BFM pendant une vingtaine d'heures. Non, complètement ça. Et Antoine a dit que c'était de la merde. De quoi t'as pas le niveau? Juste un dérapage. Oh non. Mais putain, mais. Je déteste ce jeu, mais jamais je fais ça. En vrai, c'est juste que tu pouvais pas rattraper. Jamais, jamais. Mais en vrai, ça. Jamais jusqu'à la prochaine fois. La vidéo de JD était très cool. Ouais, je l'ai pas. La voir, bien sûr. Oh, JD a posté une vidéo. Est-ce qu'on peut mettre le lien dans le chat, s'il vous plaît, je vous en prie. Ah bah tiens, je vais le faire. Tiens, là. Ouais, moi aussi. Je vais passer la vidéo de JD dans le chat. C'est suffisamment rare. Mister JD. C'est quoi? C'est une vidéo par an à peu près, JD? Ouais.
Ouais. Non, bah, non, mais, non, mais je crois que c'était une vraie question de la part de Pense. Hein. Non, c'est une vraie question, mais tu streams tous les jours. Non, mais justement, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la vraie question, enfin la question comme ça ultra sérieusement, et je suis en mode, putain. Mais oui, oui, enfin non, c'est un peu plus, j'essaye de faire un peu plus, en vrai. J'essaye d'en faire deux par an. Non, oui, c'est vrai. T'en sors deux, trois par an, quoi, un truc comme ça. C'est ça. Mais c'est généralement genre des vidéos d'une heure quand même. Donc... Ouais, là, comme elle durait un peu, comme elle dure plus d'une heure, elle était un peu longue à faire. Ah putain, j'avais pas vu qu'elle durait une heure. Elle dure non, une surtout heure. Surtout le dérush ouais. De ses morts. Oh bah, n'allez pas regarder alors, n'allez pas regarder. Restez là, vous. Allez regarder. Ouais, restez là. Non, regardez pas. Bon, vous en faites pas, c'est tranquille. Allez, on fait une petite pause, je vous la montre vite fait. On fait un petit react ensemble. Tu sais, le pote un peu envahissant. Oui, je fais ma vidéo YouTube. Bah ouais, regarde, vas-y. La vidéo là, qui dure une heure, s'il te plaît. T'imagines en soirée. Moi aussi, je peux vous montrer ma dernière vidéo. Ok, bah mec. C'est fantastique. T'as quelqu'un, il te montre son TikTok et là, hey, tu veux regarder ma vidéo maintenant? Moi aussi, je fais des vidéos. Moi aussi, je fais des vidéos. Les mecs parlent pas de la même chose. Tu t'es en mode, oulala. Deux générations qui se rencontrent, le YouTuber et le TikToker. Une heure. Super. Eh, bon. Dis-moi. On participe à la ligue de Jiraya ? Oh non, mais mec, on n'aura jamais le temps, enfin. Bah ouais, c'est. Non, c'est il bon. A annoncé ? Ah oui, il a annoncé, quoi. Oui. Ok, ok. C'est que maintenant, avec maintenant qu'on a GTRP qui s'est rajouté. Non, en vrai, c'est tristement ce impossible. Ce qui est bien avec GTRP, c'est que c'est pas des lives très chronophages. Quelle angoisse, ça prend toute ta vie. C'est une heure et demie et c'est fini. C'était Antoine. Toujours là. Tout à l'heure, j'étais en mode, je vais faire une heure et je m'en vais. J'ai fait 4 heures. Ah bah ouais, c'est hyper prenant. Hier, ouais. J'ai fait un live de 8h. Je sais que pour vous, c'est une pacotille, mais pour moi, ça n'arrive jamais. Allez, venez, on fait une petite pause, on regarde la VOD du live de 8h. J'ai fait 11h hier. Ouais, t'as fait 11h hier. T'as l'habitude, tu fais tellement des lives longs. Non, je fais pas des lives de 11h quand même, faut pas. Non, je fais pas des lives de 11h. Non, mais tu fais souvent des lives, tu fais très souvent des lives très longs. Attends, le vendredi, tu fais combien d'heures, Ponce, en vrai? Ah non, mais là. Il stream 14 heures par jour. Ah oui, ah mais en deux streams. Ah oui, divise. Oui. Ah oui. Bah, ah oui, le cumul sur la journée, quoi. Ah, le cumul sur la journée, il y a des lundis où j'ai clairement abusé, ouais. Ouais. Mais je sais pas comment tu fais pour tenir, en fait. C'est un truc de fou, quoi. En fait, je suis addict aux jeux vidéo depuis toujours. Tu sais que faut savoir non, que. Non, mais ça fait pas tout. Au bout d'un moment, t'es fatigué, en fait, quoi. C'est vrai. Mais moi, j'ai une énergie débordante. Hein. Voilà. Mais hier, t'as fait 11 heures sans pause, quoi. Hier j'ai abusé. Non, mais hier, c'était un scandale absolu, hein, tout à fait. Mais non, mais faut savoir après, c'est aussi ça, de m'alimenter et tout, quoi. Donc. C'est aussi des jours où tu fais que ça, quoi, du coup, tu vois. Ah bah là, clairement, oui, j'ai fait genre, beaucoup de jours tout où ce qu'il y a autour, s'occuper de son appart, ou genre... Ah là, mon appart, c'est un enfer, hein. Il y a des cartons partout, c'est n'importe quoi. Mais par contre, il y a quand même ce truc par rapport aux jeux vidéo, où quand j'étais plus jeune, quand on jouait avec des potes, etc., j'étais toujours la personne qui ne voulait jamais s'arrêter de jouer. Et qui disait toujours, bah là, c'était tout, et... Et mes potes disaient non, bah viens, on fait une pause. Et moi je disais non, gros, on joue et tout. Moi je suis pas du tout comme ça, mais. Moi j'ai. C'était un peu chiant. Moi c'est généralement les gens qui me saoulent pour continuer à jouer. Et moi je leur dis putain, arrêtez, j'ai des choses plus importantes à faire. Bien sûr, et toi. Bien sûr, c'est. Comme jouer à un autre jeu. C'est souvent moi d'ailleurs qui t'a rangé étoile pour. Bah ouais, Rivenzy il me dit tout le temps, viens et tout, go tryhard et tout. Je suis en mode ouais, la flemme. Mais tu vas venir, Florence, sur GTRP toi? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Jure. J'ai créé mon perso et tout. Et non, mais c'est tu vas faire quoi comme perso? No spoil de son En fait, c'est ça que je réfléchis, c'est ce que je peux dire. N'en dis pas trop, dire... n'en dis pas trop. Hein. Non, c'est ça pas le truc. Trop, mais juste le début. Bon, tu peux faire le teasing, genre, c'est la commande qu'il y aura sur ton live par exemple. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Ça. Je fais une dame qui a à peu près 45 ans par là, qui s'appelle Joséphine. Fan de Laurent Romeshko. Et elle est ange gardien. Et elle est ange gardien, tout à fait. Tout à fait, c'est son travail. Et elle est veuve et voilà, ah. Et elle a des petites sautes d'humeur. Voilà. Elle a eu une petite éducation conservatrice, on va pas se mentir. Ah, conservatrice, ça bien sûr. Bien sûr. Bravo, tu bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, je ne veux pas trop en dire pour pas être bloqué après au niveau de mon RP et tout. Voilà. Bien sûr. Qui spamme Ségolène dans mon chat. Oh, dommage que tu ne l'aies pas appelée Ségolène. J'aurais adoré qu'elle s'appelle Ségolène, ouais, vraiment j'aurais kiffé. Ségou, quoi. Eh bien écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là, les copains. Bonne nuit. Eh ben bonne nuit à vous. Taboulé à faire. C'était super chouette de faire ce live avec vous. C'était très très cool, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Je me suis régalé, je me suis vraiment régalé, c'était trop cool. En vrai, merci beaucoup de m'avoir fait le pré-live avec moi, ça fait plaisir. Et je vous dis bonne soirée. Tu pars en training? Bah, gros, le pré-live, il a dit. Non, mais pas en training. Le pré-live, quelle insolence. Frère, ça fait 6 heures qu'il est en live, il parle de pré-live. C'est l'intro, là, il a fait l'intro. J'ai dormi 16 heures cette nuit.
Ah oui, quoi ? C'est invincible, t'es invincible. T'as dormi 16 heures, mais quoi ? T'avais un peu de carence en sommeil, toi, non ? Attends, mais même avec de la carence, 16 heures ? Je me suis couché à 22h, je me suis réveillé à 14h. Quoi ? Mais t'as vraiment dormi ou tu t'as traîné dans ton lit ? Je me suis juste réveillé un tout petit peu. C'est une hibernation. C'est une nuit. What ? Mais attends, mais mec, j'ai jamais vécu ça. Mais mec, j'ai vraiment dormi. J'ai jamais dormi aussi longtemps. Ah si, j'avais trop de retard de sommeil. Parce que tu sais, je fais des trucs dans mon appart. Je fais des trucs dans mon appart et j'essaye d'agencer et tout. Et du coup, je faisais des allers-retours et j'étais trop fatigué depuis une semaine. C'est pour ça que j'ai fait une pause hier, j'ai pas live. Mais mec, Bah écoute, t'as dû te réveiller en kilosène, non ? Mec, je me suis réveillé, j'étais en mode, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux pas faire ça. Ça doit être énorme. Ça doit être énorme. Ça, les gens demandent, bah, moi, 16h, je trouve ça vraiment énorme. Ah, 16h, c'est énorme. Ah ouais, moi, ça me choque, 16h. Un dodo de 16h, je trouve ça vraiment génial. C'est le max, quoi. C'est de nuit, quoi, 16h, en vrai. 16h, c'est plus de nuit, ouais. Moi, c'est une semaine, quoi, globalement. J'avoue que là, je suis hyper en forme, du coup. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Ah ouais. Mais quand tu dors aussi longtemps, généralement, t'es pas. Je trouve pas que tu sois très en forme quand tu travailles. En fait. Ah non, justement. Moi non plus, ça me fait pas ça. C'est... Ouais, quand tu dors trop, ça fait le même effet, je trouve, que quand tu dors pas assez. Ouais, c'est un peu vraiment, ça. Ouais. C'est dans le col. Je vais vous laisser, je suis épuisée. Oui, bisous, Ultia. Bonne soirée, bonne nuit. Je prends la tangente et je vous dis également bonne nuit. Merci beaucoup. Salut, ciao. Excellente nuit. Ciao. Ciao. Bon, bah on est plus que 5. Ah, bah non, même étoile il bouge, on est 4. Étoile il est parti. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez qu'on se termine tranquillement sur un petit truc ? Une petite douzaine de courses. Faut qu'étoile il livre par contre. Putain, il fait tout le temps ça. Mais, post-pips ? Ouais, post-pips par contre. Post-pips. Je vais faire un petit pipi aussi. Allez, je vais faire un petit pipi, j'arrive pas. Bah, Antoine, tu dois animer. Antoine, tu meubles pour tout le monde. Ouais, j'anime, t'inquiète. On va revenir, on sera ban, attention. Non, mais je vais animer les lives. On va juste être ban en fait. Anime. Allez, vas-y, à tout de suite. T'inquiète. C'est bon, je suis ban. Re. Allô. Re, messieurs. On est ban. C'était bien la post pips. C'était insane. C'était cool. C'était insane. Ah, nice. C'était sympa. Et toi, t'as bien animé, Antoine ? Ça va, oui, tranquille. C'était posé. T'es pas quoi. Du tout resté statique à rien foutre et sans dire un mot par hasard ? Non. Non, ah, ok. Je sais pas, j'ai streamé comme d'hab, quoi. Comme d'hab, ok. Bon bah c'est nickel, alors j'avais vraiment peur que tu fasses rien et que du coup il y a une ambiance délétère sur les... Je pense qu'il a pas décroché un mot. Non, c'est bon, il a dit qu'il avait... Non, c'est bon. J'ai animé comme d'hab, quoi. Bah ouais, comme... Bah c'est vrai que t'es un pro de l'animation. T'es un animateur. T'es un animateur, finalement. T'es un entertainer. Allez, tu nous lances ce petit 8 courses, mon petit pompon. Un petit 8 courses, il y a difficile. Du coup j'irai voir le replay, forcément j'ai envie de voir. Chacun pour soi, mode normal, il y a difficile tous les véhicules, 8 courses, c'est parti. Okay. Ah oui, j'ai mon setup. Oh, je vais me le faire avec mon vrai setup. Oh non. Bon, ok. Oh là là. Mais si. Non, mais c'est bon. Mais après, si, on peut plus jouer. Ça sert... On peut plus jouer après, ça sert à rien. Comme vous voulez. Non, fais comme tu veux. De quoi, pardon ?
Non, si en vrai, vu que c'est la dernière fois que je vais jouer avant, avant le tournoi, je vais prendre mon vrai setup, si ça vous va. Ok, ok, ok. Oui, bien sûr. C'est mort, en fait. J'ai juste pas envie, en fait. Tu peux est-ce que tu peux juste partir quand nous, on est tour 2, s'il te plaît, par contre? Je pars. Non, non, mais mec, t'es aussi fort que moi. Enfin, y a aucune feinte. Pardon. Bah. Oui. Merci, Tralius. Je suis un peu au-dessus, je dirais. Je suis un peu au-dessus de toi, quand même, Ponce, je dirais. Merci, Tralius. Merci. Mais ouais, on a à peu près un niveau équivalent, je pense. Bah, sur les trucs où on a pu compétiter, mec, on avait sensiblement le même niveau. Hein. Sur Mario Kart? Oui. Compétiter un petit peu. Compétiter. C'est fou comme ton mi, il te ressemble, Ponce. En vrai. Ah, bah apparemment, il est moche et il est insignifiant selon Riff. Oh non! Et si. Bah, il lui ressemble, quoi. Si. La différence, Antoine, pense, c'est vraiment le pire. Le pire, quoi. Tu prends... Merci beaucoup, Tralius. Merci infiniment pour les 25 abonnements offerts. C'est hyper, hyper, hyper gentil. Merci, Tralius. C'est la fête des fleurs. Vous pouvez remplir le chat de fleurs et de cœurs, c'est le moment. Ouais, si, quand même. Staline, Mussolini. Enfin, je veux dire, il y en a. Ouais, et je peux t'en citer d'autres. Hein. C'est vrai, tu viens réfléchir, t'as raison. Mais tu restes quand même quelqu'un d'extrêmement désagréable. Ah, ça, probablement, oui. Non, mais tu l'aimes bien ou pas, toi, Florence, mon nouveau mi? Mais très bien, ce nouveau mi. Merci beaucoup. Je sens qu'il y a une couille derrière la ça. La réponse premier degré. Merci beaucoup. Ben non, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce compliment sur mon mi. Ça me fait plaisir. Avec grand plaisir que j'accepte ce compliment. Par contre, j'aime pas trop cette course, je vais pas vous mentir. Bah, parce... J'adore, enfin on l'a fait, quoi. Ouais, pareil. Je suis resté juste pour ça, en fait. Qui c'est qui l'a voté? Moi, Antoine. Merci les gars. Tu l'aimes pas toi, Pense, celle-là? Wow, oh, ça va. En vrai, je la déteste pas, mais je suis pas non plus. J'aime beaucoup, moi. Vraiment? Ouais, ouais, j'adore. Hein. Oh, j'avais vachement train plein de maps et j'ai complètement laissé tomber. Oui, c'est vrai, mais t'as quand même step up de fou. Hein. Oui, oui, aucun merci. Rapport avec avant. Hein. C'est genre... Bah, en même temps, j'étais sur une marge de progression forcément ascendante. Hein. Oui. Putain, mais. Vous étiez pas obligé d'approuver. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'était tellement une merde. Ouais, t'étais nul à chier, quoi. Ça pouvait que aller dans ce sens-là, hein, c'est sûr. Tu pouvais pas creuser plus, hein. Tu pouvais pas être 13ème, quoi, c'est ça le truc. Tu pouvais pas être 13ème. Fais gaffe, Antoine, il y a une rouge. Potes, vraiment. Ouais. Et tiens, je te la fais esquiver avec ça, mec. Putain, mais t'es chiant. Non. Oh, t'es trop chiant, putain. Mais fallait pas l'esquiver. Mais c'était oui, trop putain. Tôt, tu l'as balancé trop tôt, Ponce. C'est pas genre. Ah putain. Oh là là, et voilà. Oh et voilà, Antoine, t'es bon là. T'es bon, Antoine là. T'as les objets? Les objets, oui, j'ai les objets. T'as quoi? Pousse-toi. Ah, mais pousse-toi, voilà, il est. Un vieux aigri, hein. Non, non, tu vas voir, il y avait. Non, non, je suis d'accord. Y... Ah merde. Ouais. Ok, bon. Tu mérites, non, Antoine. Attends, c'est pas fini. Ok, c'est fini. Aïe. Ok, c'est terminé. J'avoue, je suis vraiment meilleur que Ponce en vrai. Attention, il y a une bleue. Tu veux que je la détruise pour te protéger, pour me oui, rattraper? Non putain. Promis, je le fais. Promis, non, je le fais. Bon, c'est bon. Non, t'inquiète, fais-le pas. Bah, trop tard. Je suis pourri. Attends, mais elle est. Ah, mais non. Quoi? Désolé, Antoine, mais c'était non. Plus ton anniversaire. Merci beaucoup, Clogan, aussi pour les 10 abonnements offerts pendant la course. Merci beaucoup, Clogan. En train de lutter comme une porc contre la fatigue, mais on est là. Mais va dormir si tu es fatigué. Merci les fleurs pour le train de live que vous avez créé, il est monstrueux. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est vraiment la pire map, je trouve. Enfin, en vrai, quand t'es pas allé sur Mario Kart, bon, c'est vraiment la map la plus dure. Tu veux quelle map, Flo? Gloup, gloup. Moi, j'aime bien Piste aux Délices. Non, mais alors, à part celle-là. Gloup, gloup. Alors, j'aime bien Promenade Toad. Gloup, gloup. Oh putain, bon, ok, je choisis Gloup, gloup, il m'a convaincu. J'ai pris Big Blue. Hein. Ah, j'ai un clip de l'animation d'Antoine. Non, je prends pas Gloup, gloup. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah. On dit c'est encore on dirait les routes Corse, coupé à police, c'est vrai, il y a un truc. En termes d'architecture, ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais c'est ça. On se croirait à Ajaccio, en fait, hein, tout simplement. Quelle putain de lourdeur, Antoine. Ben quoi? Je te déteste. Mais pourquoi? Non, rien. Bro? Bro. Bro! 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 Non, merci pour l'animation, voiture Regan. Je t'en prie, mec.
Les roues rouges et les roues bleues, ce sont les mêmes, c'est les mêmes stats. Les rollers bleus et les rollers rouges. Mec, non. Voilà. Y a quelqu'un qui te demandait ça dans le chat. Oui, oui, c'est pour ça que je me suis permis de oui, dire ça. Oui, il l'a pas dit juste comme ça. Mec, claque des infos comme ça. Vous prendrez bien une petite stat sur les roues. Mec, il sort des trucs comme ça. Non, stat sur les roues, là. On peut avoir un petit point stat sur les roues. Putain. Le point stat, bordel. Tu stream demain, pense ou pas? Non. Non, non. Ouais, tu streames pas le samedi. Non. Moi, demain, du coup, je vais RP. Yep. Mais j'ai vraiment peur. Me dites rien, les gens. Mais j'ai vraiment peur de ce que t'as fait. Je dis rien du tout. Juste. Ouais, mais les gens du chat, dites rien. Oui. T'as peu de raison d'avoir peur, honnêtement. Bah, tu m'as dit tout à l'heure que je serais pas content quand je reviendrai, quoi. Donc. Non, mais tu verras. Mais par contre, c'est vrai que la différence entre RP tout seul et RP à deux, c'est. C'est incroyable. C'est ça qui me fait peur, moi. Ça. Ah, c'est. Mais tu trouveras des mates, t'inquiète pas. Et puis même. Viens nous oui, voir. Oui, mais en fait, c'est que vous avez vachement construit votre lore à deux, en fait. Ça aide. Vous avez commencé ensemble. Et toi, t'arrives sur un serveur où il y a déjà tout un lore qui s'est posé et tout. Tout un truc. Et t'es genre. Bah, justement, c'est peut-être plus simple. Non, mais tu sais, il y a plein de gens. En fait, on les a juste jamais croisés, en fait. Oui, je me doute. Ah, même la plupart des gens. T'as jamais fait de RP. Enfin, moi, j'en ai fait à l'écrit, donc c'est pas du tout la même chose. Moi, j'en avais jamais. J'en avais fait masse à l'écrit aussi à l'époque. Le RP écrit, quand j'étais ado, c'était trop mal, hein. Ouais, pareil, sur les forums et tout, je me régalais. Ah ouais, moi aussi. Putain, je suis content de penser, on a eu la même adolescence. Ah oui, non, moi le RP de ouf, je jouais des gnomes, je jouais des elfes, j'étais toutes sortes de personnages, c'était exceptionnel. Hein. À l'écrit, ouais, à l'écrit, vraiment, sur des forums, en gros, c'est un peu, bah en fait, c'est un travail d'écriture, hein, où ça se répond, ouais. Mais tu t'écris autant de l'action que de la parole, en gros. Et de la pensée aussi, tout à fait. En vrai, ça régale, hein. Code, Ah, j'ai baisé pour la première fois de ma vie à 13 ans, hein, à l'écrit. Ah bah. Mais de quoi il me parle d'un coup? Et juste, il y a des gens qui me posaient la question dans le chat. Oui, dimanche, il y a quand même le Geomerding Fight, hein, bien sûr. Of course. Oui. On ne le déroge pas. Oui. Les RP écrits, en plus, ça te fait vachement step-up au niveau de l'écriture et de l'aisance à l'écrit, je trouve. Ah oui, carrément. Bah, mais quand t'as pas d'idée, tu peux réfléchir, alors que si c'est IRL, bah, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Je sais pas si ça existe encore autant les forums RPG, je suppose que oui, mais c'est peut-être plus. Déjà, est-ce que les forums ça existe encore autant? Si, il y a des forums, il y a des forums. Ouais, il y a des forums. Bah, je sais pas, moi je. T'es pas mal aidé par moment quand tu te retrouves seul. Ouais, heureusement que moment est là. Moi je sais que toutes les sessions que j'ai moment, fait seul. Il nous a, même au début, avant même qu'on commence, il nous a bien briefé et tout. Ah ouais. Kama, c'est très novice friendly apparemment. Ah bah, complètement. C'est vraiment bonne ambiance, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tant que tu suis un petit peu les règles, c'est ok, tu vois. Parce que moi, ça me manque vraiment de faire du RP et tout. C'était vraiment une grosse partie de ma vie quand j'étais ado. Et depuis, j'en ai plus fait du tout par manque de temps. Parce que plus tu grandis et plus tu fais des RP avec des gens qui font des longs trucs et c'est très chronophage. Mais en vrai, si j'avais passé le cap de l'IRL, en fait, parce que je trouve que c'est un milieu qui des fois peut être un peu élitiste si tu RP pas comme ils veulent que tu RP. Oui, ça peut arriver. Et oui. Du coup, ça peut faire peur, en fait. Et là, comme c'est novice friendly, bah, tu te dis bon, bah, c'est le moment de tenter, en fait. Ah bah là, c'est le meilleur moment de tenter si tu veux essayer de faire du GTRP. Hein. C'est vraiment, tu peux pas trouver plus confortable. C'est vraiment, tout est mis en place pour que tu puisses être à l'aise. C'est je pas pense mal. Pense aussi, c'est pour ça que j'avais envie de le faire de ouf. T'as jamais fait toi du RP IRL, pense Du jeu de rôle sur table, ou sur si. Sur table ou genre. Si. Okay. Si, j'en faisais quand j'étais plus jeune, avec des potes, etc. Et puis j'en ai refait même sur la chaîne. On a fait deux trucs avec Final Fantasy, on a fait deux histoires. C'était pas mal du tout. Ah, sur FF, vous avez fait du RP? Ouais, du RP sur... Sur FF14, ouais. Mais enfin... Nice. Non, mais sur table, quoi. Un JDR papier. Ah, d'accord. Oui. Mais moi, ça va trop me manquer quand il va disparaître le serveur, en vrai. Alors... Pareil, mais en même temps. Oui, tant mieux. C'est ça, ouais, parce que honnêtement, ça prend quand même un temps de fou, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Tu vois, genre là, moi, je vais pas jouer demain. Je vais probablement jouer dimanche soir à GTA. Mais moi, je jouerai dimanche soir aussi, pense. Nice, lourd. Après ton Geomerding. Ouais. Je pense parfait. Eh ben, je te rejoins juste après, alors. Ah, trop ouais, cool. Mais tu vois, ça me fait peur parce que je vais revenir. Il se sera passé des milliards de choses. Mais moi aussi, mec. Demain, je reviens et je sais pas quelle dinguerie tu m'as pondu, quoi. C'est vrai. Dinguerie, tu m'as pondu. Ouais. Ça t'intéresse pas toi le RPG JD?
Alors non, comme je le disais, en fait, moi j'aimerais d'abord juste, en l'occurrence pour GTA, faire d'abord oui, le solo. 5, le ouais. solo. Et après, voilà, peut-être. Mais tu avais jamais joué à GTA 5, toi, pense non, 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 jamais... non, non, moi j'ai jamais fait GTA 5. Moi j'ai fait GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, et après j'ai plus jamais touché à un seul GTA de ma vie. Et Rayu, il a jamais touché à un GTA, je crois aussi. Oh non, ouais, Rayu avait jamais touché à un GTA aussi. Mais apparemment, le solo de GTA V est incroyable, hein, apparemment. Ah oui, il est très bien. C'est un gag, c'est un putain de gag. Largement mérité. Largement mérité. Ah, le RP se fait pas mal sur des serveurs Discord maintenant. Ouais, je m'en doutais, ça, ça va être trop cool. Ah oui, sur Discord, c'est pas mal pour ça, ouais, j'imagine. Ah ouais. Mais non, je pense pas que je ferais le solo de GTA V... C'est un gros morceau. Hein. Ah ouais, c'est un gros morceau. Et puis. C'est un gros morceau, effectivement. Ouais. Et vous pensez que ça devrait me faire peur ou. Non, pas forcément. Non, non, si t'as envie de le faire, c'est trop bien. Ah non, go. Toi, c'est juste la flemme. C'est un jeu incroyable et pour un jeu qu'on parlait tout à l'heure des jeux qui ont mal vieilli, ça n'en fait pas partie. Hein. Vraiment. Mmh. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau d'ailleurs, le jeu. Il est sorti il y a combien de temps? Il y a 7 ans 2013. Il y a 8 ans. En septembre 2013. Mais il y a 7 ans et demi. Il est magnifique, le jeu. Mais il est. C'est fou à quel point il a bien vieilli, ce jeu. Il était tellement ambitieux en plus. Ah oui. Ah oui. Mais ouais, pourquoi ça te tente pas, toi, le mode histoire, Ponce? Genre flemme? Parce que, non, en fait, les trucs hyper réalistes comme ça, qui sont finalement des histoires de gangs, de policiers et tout, alors je sais que l'écriture est ouf, hein. Tout le monde m'a dit ça, mais c'est pas un truc qui me... Bah, dis-toi, moi non plus, c'est pas trop mon truc, mais j'ai trouvé ça tellement bien que, alors, que voilà, quoi. En vrai, quand je vois ce que Ponce dit, j'ai envie de poser une question à Antoine et Flo, vous l'avez fait, c'est ça? Moi je l'ai moi, pas je l'ai fini fait, ouais. Et j'en ai pas trop souvenir mais, okay. Mais c'était un très bon jeu en fait. Est-ce que par rapport aux par rapport à San Andreas et tout, il est suffisamment parodique, enfin suffisamment parodique ah oui oui etc. Oui. Oui, oui, okay, oui. Ah bah oui, il perd pas ça, j'imagine, oui. D'accord, oui, bah oui, non, alors, sûr, il est très drôle, il est très cynique, il est très acerbe. Oui, donc du coup, c'est pas si réaliste que ça, tu vois, je me dis du coup, let's go. Ah non, non non, bien sûr. Mais ouais. Non, c'est vraiment l'esprit GTA. Mais je vois ce que tu veux dire en même temps, Ponce aussi. Après, l'autre raison, c'est qu'il y a plein de jeux qui me chauffent en ce moment, différents, et que bah, je préfère prendre le temps pour ces jeux-là plutôt que me faire un GTA 5, tu vois. Même si je sais qu'il est bien, tu vois, mais... Ouais, ouais, je comprends. Et le comprends. Truc, c'est que, je sais pas si ça te le fait, Ponce, mais je sais que t'es sur The Witcher en ce moment, et c'est vrai que quand t'es déjà dans un gros jeu à histoire, t'as pas forcément envie de te relancer dans un autre gros jeu à histoire. Non, hein, après, moi, j'aime bien les longs let's play, en vrai. Moi, c'est pas un truc qui me dérange, au contraire, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Mais The Witcher, j'approche de la fin. Hein. J'approche de la fin, j'ai... Je sais pas, parce que t'es bien avant moi, du coup. Ah, ok. Moi, je viens d'arriver à Skellige. Ok, ok. Oh bah... No spoil. Non, mais tranquille. Ouais, je viens d'y arriver aussi. Tranquille, tranquille. Je dis Rin. Et tu vas faire les extensions, ou pas? Peut-être une, il y en a une des deux qui m'intéresse un peu plus, mais c'est à voir, je sais pas encore. Il y a les DLC, ouais, ouais. Apparemment, les DLC sont vraiment cool, notamment celui qui est sorti un an après le jeu, qui est Blood and Wine. Ouais, je crois que c'est celui-là. Celui-là me tente plus que l'autre. Après, j'ai les deux, donc tranquille. Bien tenté. Bien tenté. J'arrive pour ton cul, hein. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas, Antoine. Ton petit cul bien rebondi, là. Bon. C'est vrai. Alors, bien plat. Et voilà, il m'a eu. J'ai aimé ce passage. Peut-être que là, non. Bon. Hop là. Non mais il y a trop de jeux. En fait, il y a vraiment trop de jeux que j'ai envie de faire en ce moment. Du coup, c'est chaud. Genre là, je vais faire... déjà, faut que je termine Pokémon Colosseum. J'ai commencé. Il sort quand le Snap? Vendredi prochain, je crois. Vendredi, ouais. Mais ça, je vais y jouer 100%. Ouais, moi aussi. Un petit Pokémon Snap à l'ancienne. Mais mec, c'est un jeu que j'avais sur N64 quand j'étais petit, et là le fait qu'ils le sortent. Ah bah c'est à l'ancienne. Hein. Mais je sais pas, j'ai peur de un peu m'ennuyer à juste prendre des photos de Pokémon. Non mais je vais faire peut-être un ou deux streams. Oui, j'imagine que tu vas pas devenir main bon, Pokémon quoi. Snap, bien sûr. Non, bien sûr. Mais ça se trouve, il va être trop cool. Hein. Mais oui, moi aussi, je prévois juste de faire un ou deux streams dessus. Mais déjà, moi, je vais refaire l'ancien parce qu'il a 22 ans et je trouve qu'il est vraiment moche en réalité. Ah, il est horrible. Mais du coup, ouais.
Ah ouais, non, il est vraiment horrible. On prenait des photos de ça quand on était petit quand même. On prenait des photos. Hein. Ah oui, il y a des gens qui... Oui, bah, effectivement, dans les jeux que j'ai fait cette année, pour moi, le meilleur que j'ai fait cette année en termes de... Enfin, qui m'a le plus gros coup de cœur, c'est les deux Little Nightmares. Hein, je te les conseille vraiment, pense si tu... Ah bah j'ai fait le 1 et j'attends un peu pour y se passer un peu, je vais faire le 2. Ah, j'ai adoré. Non, mec, ah, j'ai claque. Une claque. Alors, c'est pas du tout mon genre d'habitude. Enfin, je croyais que c'était de l'horreur en fait, moi perso. Bah c'est un peu horrifique quand même. Oui, mais moi je suis vraiment une flippette. Genre, j'ai peur devant le Demogorgon de Stranger Things quoi. Donc, enfin, peur. Le mot est trop fort, mais ça m'impressionne quand même. Et j'avais trop peur que ça fasse vraiment flipper. Et en vrai, l'ambiance est quand même particulière. Mais c'est en fait, pas. Mais en fait, c'est pas du tout des screamers ou quoi que ce soit. Oui, voilà. Non, c'est ça, c'est une ambiance. Ça, c'est un peu horrifique et à la fois je trouve c'est un peu enchanteur aussi oui, en fait il y a vraiment même je trouve il y a un côté un peu Miyazaki ouais peu, je suis d'accord dans le 1 oui. Je suis d'accord avec un peu les têtes de cochon et tout c'est un mélange c'est Tim Burton Miyazaki oui, c'est ça, en plus trashos quand même ah je suis d'accord plus trashos. Mais ouais c'est à faire je trouve Little Nightmare et en plus de ça c'est des jeux qui se terminent entre 4 et 6 heures quoi enfin en tout cas le 1 ah oui oui mais le 2 est court aussi hein. Le 2, tu l'as fait en stream, Antoine ? Je l'ai fait en stream. Il est plus long que le 1, mais pas énorme. On va dire que le 1 Oh putain. Le 1 fait à peu près 2/3 du 2, peut-être. Je saurais pas trop te dire. Peut-être la moitié seulement. Peut-être qu'il est deux fois plus long. Un truc comme ça. Non, il est deux fois plus long. Le 2 est deux fois plus long ? Ouais, le 2 est deux fois plus long, ouais. Ok. Mais si, je vais faire Little Nightmare 2 bientôt, ouais. Sure. Ouais, non, mais c'est trop bien, j'ai vraiment adoré. Je les ai enchaînés en stream récemment et c'était vraiment, vraiment bien. Putain. Moi, c'est vrai que mon stream sur Little Nightmares 1, c'est, je pense, l'un des streams que j'ai le préféré. Ah ouais ? Ah ouais, mais en fait, j'étais trop enchantée par le jeu, en fait. C'était trop... Moi, j'ai vraiment adoré aussi. Hein. J'ai vraiment été complètement portée par le truc et surtout, tu le finis en un stream, donc tu restes dans l'ambiance de ouf. Et j'étais trop en mode putain la claque et les gens en plus sont trop contents de voir que ça te marque autant que ça les a marqués et tout. Je sais pas, c'était full good vibes en fait, c'était vraiment incroyable je trouve. Moi je te rejoins. Après c'est pas mon meilleur stream mais c'est vraiment l'un des streams que j'ai préféré faire ever je pense. Moi j'ai vraiment adoré les faire aussi, en tout cas c'est les jeux que j'ai fait cette année que j'ai préféré. Bah j'ai fait la Ace Attorney aussi mais qui sont incroyables mais c'est vrai que ça m'a... Little Nightmares, même s'ils sont beaucoup plus courts et tout, c'est incomparable en fait, mais ça m'a plus marqué, on va dire. Mm. Même si Ace Attorney, je les trouve vraiment, vraiment dingues. Quoi. Mon jeu qui m'a marqué de ouf en live, c'est une masterclass absolue, c'est Outer Wilds. Ah oui, il paraît que je le fasse. Ouais. C'est genre. Tu l'as fait en live ? Ouais, je l'ai fait en live il y a un an, tout pile. Ouais, je l'ai fait en live du début à la fin. C'est une masterclass absolue. C'est un des jeux qui m'a le plus marqué de l'histoire du jeu vidéo, véritablement. Oui, non, mais beaucoup de gens en parlent un peu en ce terme-là. Ouais, je n'ai pas lu de mal, je crois. Tu ne vivras jamais. En gros, juste, tu vivras jamais une aventure similaire. C'est le seul jeu où ça fonctionne de cette manière-là. C'est improbable. C'est vraiment improbable. Tu es dans un jeu où tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas ce que tu dois faire. C'est fou, enfin... Je vois des gens qui me disent « It takes two », mais en termes de gameplay, c'est incroyable, mais en termes d'histoire, j'ai trouvé ça un peu à chier, quoi. Mais, par contre... Ouais. Mais vraiment, en termes de gameplay, « It takes two », effectivement, c'est hallucinant. C'est le travail qu'ils ont fait sur ce jeu, effectivement. Sur « It takes two », moi, je trouvais... je l'ai trouvé aussi monstrueux, mais je trouve le gameplay un peu redondant, quand même, perso. Ah, moi, bah, justement, pas du tout. Je trouve que, justement, c'est extrêmement varié. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai attention, hein, je joue l'avocat du diable. Hein. C'est une masterclass absolue, le jeu. Hein. Tranquille. Hein. Mais j'ai trouvé que, bah, par exemple, moi qui jouais Cody, que bah, au final, j'avais juste de temps à autre un petit truc à lancer et voilà quoi. Au niveau du gameplay. Ouais, je jouais comment ça ? Mei. Je jouais Mei. C'était Fred qui jouait Cody. Ouais. Mais ouais, je sais pas. On a tous les deux beaucoup aimé. Moi, c'est vraiment l'histoire avec la gamine et les parents vraiment. Spoil pas. Je ne spoil pas, mais non, c'est de la merde globalement et la morale a pu un peu du cul, je trouve. La morale. Et voilà quoi. Mais ah mais non, mais le jeu est masterclass. Hein, attention. Hein. Mais par contre, ouais, c'est vraiment dingue. Oh, le jeu est masterclass. Plus ça. Mais Outer Wild, c'est un truc de fou. Du coup, on peut pas en parler, hein, parce qu'il y a vraiment tout à découvrir. Non, vaut mieux pas, voilà. si tu dis que vraiment c'est... Mais c'est un truc de fou, ce jeu. C'est un truc de fou, le jeu. Tu l'as fini cette semaine Outer Wilds Non, It Takes Two. Oui, on l'a fini cette semaine avec Ultia, oui. Complètement.
Ah, Outer Wilds, il me tente de ouf depuis un petit moment, mais tellement de jeux que j'aimerais faire. Ouais, bah c'est cool. Oh putain. Voilà, je me suis fait un petit fichier c'est avec une liste de tous les jeux auxquels j'ai envie de jouer. Bah là, toi, tu t'es grave mis à Trackmania, JD, là. Oui. Tu régales de t'être mis à Trackmania. Étape, ah ouais. Ouais. En plus, JD, c'est vraiment le genre de jeu sur lequel il est. Oui. Bien. Il est bah de ouf. Addict de ouf à ce genre de jeu. Pas du tout. Ah, si. Complètement. On y joue offline avec JD. On a. Putain, l'autre jour, on s'est couché. Je vais pas dire l'heure, mais c'était vraiment indécent. C'était vraiment terrible, quoi. À Trackmania En fait, Antoine a fait genre à 6h, enfin plus de 6h du matin, je crois. Genre, vas-y, j'installe Trackmania, je vais y jouer. Du coup, je fais, ah bah vas-y, je fais ça en même temps que toi. Je l'installe et comme ça, on commence à y jouer. À quelle heure machin, tous les... À 6h du matin. Ah non. Et on a voulu faire les médailles gold sur tous les 25 challenges de base, en fait. Les 25 de base, donc voilà. Easy, tu vois, mais il y en a certains qui ont pris un petit peu... Ouais, genre le tout dernier, par exemple, il était un peu long, quoi. Non, mais surtout que là, maintenant, on est passé à autre chose et on passe sur d'autres maps maintenant et du coup... Là, c'est du sérieux. Mais attendez, vous avez terminé à quelle heure? Parce que quand on commence un jeu à 6h, c'est... Non, en vrai, on n'a pas... Je suis peut-être allé me coucher à 8h du mat. Peut-être quoi, qu'il faisait jour, quoi. Peut-être qu'il faisait jour. Me coucher à 8h du mat. Ah, quoi. Si t'as commencé un jeu à 6h, oui, il faisait jour quand t'allais te coucher, c'est sûr. Ah oui. C'est 8h du mat, quoi. Ouais. T'as 32 ans, attention, Antoine. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Je les avais pas encore à ce moment-là. C'était avant. Tu pourrais plus faire ça maintenant. Ouais, bah maintenant, ouais. Maintenant, j'ai 32 ans. Moi, j'ai découvert un jeu cette semaine là qui va aspirer ma vie, je le sens, c'est Isaac. Oui. Bah, Isaac, ça fait longtemps oui. que je voulais me lancer sur Isaac et tout ça, mais j'avais un petit peu peur du backseat vraiment vénère. Alors je sais que mes modos en ont chié, mais moi ça allait. Merci à eux. Bah, en même temps, c'est les boss. Non, hein, c'est... Ils ont été super, j'aurais pas passé un aussi bon live sans eux, donc la modération c'est toujours ultra important, surtout sur des lives comme ça. Je pense que Isaac c'est le jeu le plus backseatable du monde en vrai. Ouais. Oh, Outer Wilds. Outer Wilds, seconde une, tu sais pas où tu es, tu sais pas ce que tu dois faire, tu connais pas la mécanique du jeu. Oui. En vrai, Outer Wilds, c'est violent. Hein. C'est. Je sais pas si. Enfin, j'en sais rien en fait, je sais pas. Yes, mec. Non, mais Connard bah. Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu étais violent comme ça? Bah, c'est ponce, quoi. Mais faut pas l'insulter comme bah, ça. Bah, non, j'ai rien fait, moi. Il mérite, putain. Il sait. Ah, ouais, ok, peut-être Isaac. Ouais, non, j'avoue, je sais pas, ouais. En fait, c'est que je pense que Isaac est un jeu qui a été beaucoup plus joué que Outer Wilds, même si je crois qu'il a eu quand même un vrai succès de ouf. Et c'est vraiment typiquement le jeu où tu te lances dedans et tu dis « Ah, ok, d'accord. » Et je pense que plus t'avances et plus tu dis « Ah, ok, d'accord. » Je pense qu'à ça maintenant que j'ai juste envie de relancer un live dessus, en fait. Et pourquoi? Pour faire une run pour, Oui, pour faire des runs, mais en fait, c'est typiquement le genre de truc où à la Hades, en fait. À la Hades. C'est ça, ouais, c'est les roguelites. Classique roguelite, ouais. Roguelite, classique. Tu y as jamais joué, je pense? À Isaac, non. Je connais bien le jeu parce que j'ai déjà vu des MV dessus, j'ai déjà vu des chichés dessus, etc. Donc en vrai, je connais le jeu. Je comprends pas quand on n'a pas pris le jeu en main. Ah, quand tu connais rien, tu comprends absolument rien ce qui se passe, effectivement. Ouais, après, un peu comme Hades, hein. Quand tu connais pas. Oui, bien sûr. Hades, c'était incroyable, c'était fou, Hades. Exceptionnel, Hades. Incroyable. Trop bien, Hades. Mais ouais, Outer Wilds, tu voyais, pour vous donner un comparatif, si tu me demandes un jeu à oublier, je préfère oublier Outer Wilds et le refaire que oublier, dites-vous, Zelda Breath of the Wild et le refaire. Oh. Ouais. Ah ouais, quand même. Oui, parce que Zelda Breath of the Wild, ça a une certaine rejouabilité. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive d'aller sur Zelda juste pour me balader. Et tu vois, les juges me baladent, etc. Et tout ça. Tandis que Outer Wilds, là, je n'ai plus rien à faire sur le jeu. Je peux rien faire dessus, tu vois. Alors que Outer Wilds, dès la première seconde, tu ne sais pas ce que tu dois foutre, quoi. Tu sais pas comment tu vas terminer, tu sais pas ce qui va se passer. Et genre, ouais, je pense qu'il vaut mieux oublier Outer Wilds. Oui, voilà, on me dit sur mon chat, je sais pas si c'est une info de chat ou pas, Shishayu, il a 3600 heures sur le jeu et on me dit qu'il découvre encore des nouveaux trucs. Je pense que ce n'est pas une info de chat. Non, il a vraiment 3600 heures, parce que ça, il l'a regardé. Ah bah, Shishayu, oui, oui, quasi. Mais il y a des gens qui me disent, c'est ça, peut-être l'info de chat, c'est qu'il découvre encore des jeux, des choses. Alors après, l'extension vient de sortir, donc normal qu'il découvre encore des choses, tu vois. Mais est-ce qu'avant l'extension, au bout de 3600 heures, est-ce qu'il y a encore des choses où tu te dis, ah putain, mais ça, c'est possible, genre de choses, quoi. Outer Wilds? Non, Isaac. Ah, pardon. Ah bah oui. Je sais pas si tu peux passer 3600 heures sur Outer Wilds. Non, bah oui, je me disais non. Il y a Shell sur mon chat qui dit qu'il a récemment 100% l'extension. Oui, c'est ça. Là, il a genre 4000 heures, un truc comme ça. Ouais, c'est ça.
Mais oui, je pense qu'il pourrait continuer à jouer et découvrir des choses, bien sûr, bah, selon les builds, selon tout. C'est procédural, donc c'est un peu comme Hades. Hein. Hades, quoique Hades... ouais, mais Hades, ça a que un an, quoi, même pas. Donc, oui, Hades, ça a que un an et c'est même assez différent aussi, quand même. Et vous savez que là, c'est tellement dingue à Outer Wilds que... Juste, excusez-moi, pour revenir dessus... Ouais. Faudrait que je regarde, mais j'ai entre 150 et 150 heures, je pense, dessus à peu près. Ah ouais, quand même. 110, bah tu comptes les sessions, j'ai fait... Faut compter, mais... Faut faire gaffe avec les chiffres. Ouais, ouais. C'est vraiment, il y a les chiffres des manifestes. Dis-toi que j'ai entre 10 heures sur le jeu, quoi. J'ai entre 10 et 200 heures, ok. Mais dis-toi ouais, que là, je pourrais... Il a joué entre 4 minutes et 5 ans. Grosso modo, c'est... Voilà. Mais vraiment pas... Je pourrais refaire le jeu, et là maintenant, là, et le terminer en un quart d'heure. Oui. Ouais. En fait, c'est ça qui est particulier, quoi. Ouais, enfin, peut-être en un quart d'heure, j'abuse, mais... Si, en ouais, vrai, là, si. Peut-être. Non, en vrai, bah non, en fait, parce que... Bah, dis rien, dis rien. Hein. Bah non, non, peut-être deux, ouais. Prouve-le. Bah, y'a pas de soucis. Yeah, t'inquiète, bro. Et pense, quand t'avais fait Mario Galaxy 1 en stream, c'était en 2020, tu le découvrais pour la première fois? Ouais. Ah, la chance, putain, ça j'avoue. Quel jeu ça, de merde. C'est faux, c'est exceptionnel. Immense frappe. En vrai, je me dis, découvrir Mario Galaxy 1 quand t'as notre âge, ça doit être assez ouf en vrai. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai très peu de souvenirs parce que j'étais gamin et s'il y avait un jeu que j'aurais envie d'oublier pour le redécouvrir, ce serait peut-être celui-là. Ouais. Bah, incroyable. Les deux Mario Galaxy, c'est mes Mario préférés. Oui, mais tu vois, Mario Galaxy, l'oublier, mais le truc, c'est que Mario Galaxy, c'est plus une question de gameplay. Oui, que d'histoire, que de balade, ouais, que de découverte. Il y a tu le vois. Côté émerveillement quand même que t'as pas ouais. dans Mario justement un peu je trouve aussi. C'est vrai. C'est ça que j'aime bien, il y a le côté un peu... Alors j'ai une info sur mon Let's Play Outer Wilds, je dis absolument de la merde. Il y a 27 épisodes de 1h30, donc on va dire que j'ai 40 heures. Donc c'est bien ça. Yes man. Voilà. C'est ouf hein. Ça m'a tellement marqué que j'ai l'impression d'y avoir passé ma vie. Mais connard. Oh je l'ai. Ah non. Dégage. Attention là-bas. Ouais, t'inquiète pas. C'est la dernière course, non? From 150 ou 40, non mais comme je dis, c'est un scandale. Aïe. Et d'ailleurs, j'ai regardé le Let's Play Chiché You dessus, par exemple. Qui l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai pas tout vu. Ah, There Is No Game que j'ai fait récemment, c'était trop bien aussi ça, putain. Je vous le conseille, hein, ça c'est vraiment trop bien. There Is No Game. Sorti sur Switch. Probablement, mais moi je l'ai fait sur PC en tout cas. Et vraiment, vraiment, c'est trop bien. Bravo JD. Merci. Bravo JD. Trop bien, There Is No Game. Vraiment, vraiment. Et c'est un jeu français en plus de ça. Et ça donc, Cocorico, quoi. Tu peux dire c'est quoi en gros ou... Bah, non. Bah, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment, ce que j'allais dire. Je préfère ne pas t'en dire du. Oh, c'est plutôt un jeu d'énigme, on va dire. Vu le titre, j'ai un peu peur de me faire carotte, quoi. Je vais pas te mentir. Non, mais non, c'est pas full anglais, par contre. Mais c'est sous-titré. Ah, okay, c'est okay, cool. Quand même, d'accord. Okay. Oui, c'est, y a une, la voix est en anglais, et, mais par contre, c'est sous-titré en français. Okay. Mais c'est un jeu d'énigmes, et je peux pas du tout vous en dire plus, faut que vous découvriez le truc par vous-même. Mais c'est pas de la carotte. Non, mais je pense que je vais me le faire. Mais comment ça, c'est pas de la carotte? Qu'est-ce que tu veux dire par là, JD? La confiance règne entre une fois que t'as le jeu, tu joues, quoi. Enfin. Mais je sais pas, ça s'appelle There Is No Game, t'as dit? Oui, mais. Ça veut pas dire il n'y a pas de jeu? Ah, si, ça veut dire ça. Si. Ah, voilà, donc ça fait peur. Genre, t'achètes une cartouche et en fait, là, tu mets la cartouche dans la Switch et en fait, il n'y a pas de jeu. Non, ok, ça va. Non, je me dis, j'aime bien l'idée quand même, ceci dit. C'est vraiment un espèce de très gros prank et tu pièges des gens comme ça en leur disant, hey, achète ce jeu. Et en fait, There Is No Game en fait. Et en fait, There Is No Game. C'est juste premier degré en fait. Je pense que je me le ferai un jour, There Is No Game, je pense. Je te le conseille, vraiment. C'est très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. J'avais fait en stream, je crois, il y a un mois, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Ok. Non, mais d'où? Et me fume. Bon bah écoutez les copains, je vais arrêter là moi parce qu'en vrai je suis fatigué. Eh ben NP. Fatigué. Par contre, quand je vais fermer la room, vous allez, ça va vous. Non, je vais quitter aussi. Ouais, on va s'arrêter là. Ah, vous arrêtez là aussi. Ouais. On aura fait un bon petit live quand même. Carrément. Bon du coup demain soir j'irai voir ce que t'as fait comme connerie, mon cher Fab. Hein. Donc. Pas de souci et moi je me reconnecterai normalement dimanche après Geomerding Fight. Yes. Voilà. Je serai là aussi. Cool. Ok. Bah messieurs dames, merci beaucoup pour la soirée.
Bisous Florence, bisous JD, bisous Antoine. C'était très cool. Bisous. Ciao ciao. Joyeux anniversaire Antoine. Joyeux anniversaire Antoine encore une fois. 47 minutes. Ciao ciao. Yosa. Non non non. Non. Yosa. Versailles. Ciao ciao. Salut. On peut plus. Bisous. Salut. Bon bah messieurs dames, bah voilà. Voilà. À quoi ça ressemble un ponce la Switch, voilà. C'était très très cool. On va enlever le slow mode, slow off. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, plus globalement une bonne journée, encore plus globalement une bonne semaine, parce que là c'est une grosse grosse semaine qu'on est en train de clôturer, tellement on a spammé. Je vais me reposer, moi je vais aller dormir. Demain c'est grasse mat, puis chill au soleil, et puis il faut que je déballe des trucs des cartons quand même. Mais c'était très très cool. C'était très très cool. Messieurs, dames, nous, on se retrouve dimanche à 13h pour l'échauffement du tournoi Mario Kart. 15h début du tournoi. Et dimanche soir, je sais pas trop vers quelle heure, peut-être 20h, je reprendrai un petit peu de RP probablement pour rejoindre Donna pour la suite des aventures de Fab, bien sûr. Hein ? J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était très très cool. J'avais commencé à regarder Outer Wilds sur le stream de Domingo avec Koro, mais il a jamais continué, du coup je pense que je vais me faire tes 27 épisodes dans les prochains jours. Le jeu est exceptionnel, vraiment. Le jeu est dingue. Bisous les fleurs, on va aller raider quelqu'un, je vais voir qui, on va regarder ça. Quoi qu'il arrive, merci beaucoup, passez un très 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 bon samedi, très bonne nuit, très bonne fin de soirée pour les gens qui ne vont pas se coucher. Merci pour tout le soutien, merci pour tous les abonnements, les réabonnements, tout. Repose-toi bien et reviens-nous en forme. Je reviens en forme dimanche, c'est promis, dès 13h. Merci pour tous les fleurs. Gros bisous, passez un très bon samedi, remplissez le chat de cœur et de fleurs. On va voir qui raid. Bisous. Ciao les fleurs.